Brawl Skya de choisi par les Liquid. On a ban BOE du côté de Liquid et Generation Gaming qui a sorti Valmody. Eh, ils ont perdu la macro, ils ont perdu la macro. Et on a ban BOE. Pas mal d'équipes ont arrêté de ban justement BOE contre Gen.G, mais Liquid a pas oublié justement qu'il y a maintenant un an environ, hein, c'était la map de Gen.G. Tout le monde bannait cette carte contre MVP Black à l'époque justement. Et c'est vrai que les Liquid, ils ont pas oublié. Hein. Non mais il faut bannir cette carte quand tu vois l'impact que Generation Gaming a sur face à ses adversaires. Ils arrivent à plier le match en 6-8 minutes de jeu. En tout cas, on est parti sur la fonderie de Volskaya, une carte que les deux équipes malgré tout apprécient. Hein. Generation Gaming a beaucoup abusé de cette carte contre Tempest par exemple, ou Ballistix qui avait un peu plus de mal, notamment sur les Eastern Clash. En tout cas, on est parti. First ban, Diablo du côté des Generation Gaming. Réponse Maiev. Et on sort Raynor. Pas de Raynor côté Liquid. On a vu Kazu jouer beaucoup avec Jaina. Et ça sera un Genji de sortie par les Européens. Alors qu'on l'a vu Noblesse hein, juste avant aussi. Qui est, on le rappelle, le main drafter hein, au final. Ouais. D'ailleurs, c'est un des rares. Puisque c'est un des rares coachs qui fait justement ce genre de travail. Ouais, beaucoup de coachs sont des conseillers, par exemple Nabi chez Dignitas. Et là, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, Noblesse a été champion du monde en tant que joueur et en tant que coach. Donc c'est vrai qu'il est très très doué pour ce genre de choses. Là par exemple, vous le voyez la différence. Zeus, il est là pour, donc le coach de Liquid est plus là pour apporter des petits conseils, des petits trucs, d'autres idées. Noblesse par contre, lui, c'est vraiment le chef d'orchestre. Je pense que, par exemple, le coach de Liquid doit beaucoup donner les stats de l'équipe adverse. C'est ça. Voilà. Je pense que globalement il a il fait rappelle, la recherche. C'est ça, c'est un rappel. Il a tout noté et si jamais l'équipe a besoin justement d'une info, il est là pour rappeler justement ce qui se passe chez Gen.G. Alors que c'est l'inverse limite côté Generation Gaming avec un Noblesse qui balance plein d'informations. Liquid, enfin qui balance les plans de jeu. En tout cas côté Liquid, Descartes Kane et la Johanna. Donc Johanna pour Sport Billy, Descartes Kane pour New York, on sait qu'il est très playmaker dessus. Hanzo qui a été récupéré très tôt par Gen.G, c'est souvent Rich hein, qui est dessus. Tyrande pour Sake et ce sera un Garrosh pour TST. Ouais, le Garrosh qui fait mal sur cette carte, hein, on oublie pas. Faut pas oublier que Volskaya c'est un objectif où t'as besoin d'avancer. Généralement quand t'es derrière, tu dois aller sur le point et Garrosh ça reste fort dans ces situations-là. Pour avancer, c'est pas évident parfois avec Garrosh, par contre pour défendre c'est très puissant. Et en plus de ça, il y a un petit héros que tu connais, évidemment, Gen.G l'a ramené pendant le MSB, qui est très fort avec ce Garrosh, c'est Hammer. Oui, c'est vrai. Et Hammer, pour l'instant, ça passe très bien. Par contre, alors il y a un souci ou pas? Parce que je vois Jaina qui est ban, mais pourtant sur la scène, c'est marqué Jaina derrière. Donc je suis étonné, parce que si Generation Gaming a fait ces bans-là, Noblesse, il a fait un super taf, hein, parce que... Là, on a deux picks qu'Azuab joue beaucoup, Raynor et Jaina. Et Sport Billy, on a vu que c'est son meilleur pick Diablo en ce moment, donc ça marche plus. Enfin, c'est des très très bons bans si c'est le cas. En tout cas, Léoric et Chacal pour les Coréens, Generation Gaming. Oh! Et une Tracer. Ah ouais, on voit la petite Jaina. Ouais, derrière. Y a Jaina. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Est-ce qu'il y a. Ah! On voit. Ça, c'est bien. Ça. C'est des belles images, le petit cri, il faut se chauffer. Alors, est-ce que c'est une erreur de la scène ou est-ce que c'est une erreur du... Parce que je pense que les bans de Gen.G sont très bons. Hein. Non, c'est sûr, je pense que Jaina était ban, t'as un Garrosh, tu cherches pas à comprendre, t'enlèves cette Jaina qui est très très forte contre Garrosh. Et puis, le pick Arthas aussi a du sens côté Liquid à la place de Jaina potentiellement, donc ça reste fort aussi contre Garrosh. On a vu Eternal hier justement sur brillé, Arthas, hein. il était juste beaucoup trop fort dessus. Et le last pick Tracer, ça correspond très bien aussi à Arcaner. Donc non, je pense qu'on a les bons drafts ici. Ouais, je pense aussi, c'est vrai que du côté de Liquid, ce qui me gêne un peu c'est le Phoenix. Solo carré distance, on va dire, bon, Tracer sera là pour l'épauler, mais Phoenix c'est vrai qu'il y a du wave clear, ok. Attention à pas se faire attraper quand même. Parce que t'as Léoric, alors pas au début mais au 20, il y aura le tombeau aussi qui s'y lance, qui peut l'empêcher de sauter. Garrosh peut attraper facilement Phoenix aussi, c'est ça le souci. Parce que Lightbox du Phoenix, le socle est tellement gros que Garrosh il peut le toucher très vite. As-tu vu le petit pick Junkrat? Ouais. Qui sait pour qui il est le Junkrat? Bah, pour évidemment notre cher Rizet, et qui est juste le meilleur joueur de Chacal en activité. C'est probablement le joueur qui s'est fait le plus target ban sur son Junkrat. Hein. Surtout donc sur la scène coréenne. Sur les deuxièmes rotas. Au monde entier, hein, je pense. Parce que sur les autres scènes, généralement, c'est pas un ban que t'envisages. Alors que lui, ce joueur précis justement, on lui ban
directement son Junkrat. Ouais, c'est ça, on lui bannissait toujours son Shackle sur les deuxièmes rotations quasiment, sur les Eastern Clash, c'était surtout sur le premier. Le premier Eastern Clash était impressionnant. On voyait des bans Zeratul de l'autre côté, on va dire, sur les deuxièmes rotas, et t'avais un ban Shackle quasiment tout le temps. Donc on va voir, lui, parce qu'on aurait pu se dire avec le nerf, tu sais, de la mine qui apparaît dès le lancement, alors qu'avant c'était quand elle était au sol, on aurait pu se dire, ouais, ça va enlever les plays. Il est toujours aussi bon dessus, donc j'aime bien la draft Liquid, mais c'est vrai que côté Genji, on a eu ce qu'on voulait, hein, tout simplement. Non, on a eu clairement eu ce qu'on voulait. Après, attention à cette Tracer. Parce que Arcaner, il joue beaucoup Tracer à l'heure actuelle. Hier, on l'avait vu sur Lemming, c'était pas forcément ça, mais c'est vrai que sur Tracer, il a eu un bon impact. Et puis en dehors de Garrosh, il a de la liberté quand même. Hein. Ouais, la Tracer est plutôt pas mal ici, mais faut pas oublier que sur Volskaya, généralement, c'est pas évident non plus Tracer. Et Tracer a subi d'énormes nerfs avec le temps. Maintenant, si on prend la Tracer de base et celle-là, on a une Tracer qui est beaucoup moins forte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être monstrueux sur Tracer à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'Arcaner, encore une fois, aura un impact énorme dans ce draft. Ouais, on va voir, c'est justement ce qu'évoquaient les joueurs de Generation Gaming. En tout cas, on est parti pour la première game de cette journée et de ce BO. On va retrouver les Coréens champions du monde en titre. À gauche avec Rizet évidemment sur Shackle, TST sur Garrosh, Kyosha sur Leoric. On aura du coup Sake sur Tyrande. Et enfin, il me manque Rich sur Anzo. Et du côté des Liquid qui sont très solides à l'heure actuelle. Arcaner sur Tracer, Eternal sur Arthas, Sport Billy sur Johanna, Azuab sur Phoenix. Et enfin, Nurok sur Deckard King. Et sachant que sur les niveaux, hein, du côté de Liquid, on est plutôt sur du classique. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est la frontline de Liquid. Hein. Elle est très très custod. Le petit bémol, c'est peut-être pour initier des teamfights. Mais bon, t'as Tracer aussi pour mettre de l'agression. Donc, non, j'aime bien la compo Liquid. Et puis, t'es sur Volskaya, donc t'es obligé d'aller sur la zone aussi. Non, c'est. Honnêtement, je trouve la composition des Liquid est beaucoup plus dure à jouer, globalement. Je trouve que Genji. Rich par contre. Et là, ouais, on voit aussi, hein. Arcaner, ça va pas être facile, hein. Si Rich met autant de skill shots sur cette Tracer, ça devrait pas être évident. Non, mais c'est clair que là, Anzo, il est très fragile, donc Tracer va lui faire très mal. Mais d'un autre côté, tout ce qui est auto-attaque, tout ce qui est ciblé, ça fait mal à Tracer. Et d'ailleurs, hier, on a vu une Tyrande jouer aura de précision, c'était Miracle. Loubitel qui était parti dessus. Et on pourrait peut-être voir la même, hein, côté Generation Gaming. Si tu veux augmenter les dégâts contre Tracer, l'aura de précision qui augmente les dégâts d'auto, ça peut être une possibilité. Ouais, ça peut être intéressant, c'est sûr. Avec Anzo, ça fait très très mal. Et surtout, Junkrat aussi a eu des augmentations, hein, sur les autos. Donc t'as ça aussi en plus. Après, bon, après c'est pas terrible. C'est ça, c'est plus la portée qui fait défaut. Ce qui est très fort aussi, c'est le niveau 1 de Tyrande contre Tracer. Ouais, oui, bien sûr. Voilà, 20, donc ça va donner 20 d'armure, hein, magique justement contre les bursts. C'est 15. Alors ça l'a pas déjà eu le nerf? Parce qu'elle est tombée à 10, mais je sais pas si... Non, c'est 15 là. En fait le 20 c'était avant le rework. Le rework est 15 et maintenant il y a eu un nerf à 10, mais on est sur le patch 2. Ouais, d'accord, donc on est à 30 du coup sur les deux, le double heal. Sur les double heal on est à 30 je crois. Donc ouais, c'est très fort contre le burst de Tracer, puisqu'on le rappelle, elle a pas mal... En fait elle a énormément de burst magique. C'est ça. Énormément de dégâts physiques constants. C'est ça, le coup en mêlée c'est magique, le cadeau d'adieu, enfin la bombe c'est magique, et le cadeau d'adieu, donc le 4 de Tracer, c'est magique aussi. Après la pointe quantique, le niveau 10, il y a une partie qui peut pas être bloquée puisque c'est des dégâts en pourcentage PV, donc l'armure ne bloque pas, mais une grande partie des dégâts sont quand même bloqués. Donc forcément, non, clairement, hein, très fort. Et ce burst est vraiment très très fort, hein, faut pas l'oublier, hein, ça enlève facilement 3/4 des points de vie après le niveau 10. Hein. Après le niveau 10, ce burst est très puissant. Alors que pour le moment, en termes d'XP, on est assez serré, les niveaux... Enfin les talents de Liquid c'est assez classique. Derrière Leoric qui était revenu puisqu'il a push sa botlane, hein. Il a push le Arthas. Il se comporte très très bien Leoric contre Arthas, hein. Et ça se voit d'ailleurs, ce qui peut décaler tranquille mid. Arthas n'a toujours pas réussi à push. C'est vrai. C'est vrai que Leoric de base était déjà très fort il y a quelques temps contre Arthas. Et c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié ce Leoric, qu'on a pas assez vu je trouve pour l'instant dans ses phases finales, mais... C'est vrai qu'il est excellent contre Arthas, très bien vu, hein, de la part de Noblesse. Très très bien vu, c'est vrai que Arthas revient, ce qui fait que Leoric, mais de toute façon on en avait parlé de Leoric, parce qu'avec les nerfs Irel et Blaze, bah Leoric c'est un des rois, hein, à l'heure actuelle de la solo lane. Et il est très bien, sachant que face à Johanna Arthas, on pourrait même voir un build-rain, je pense pas qu'on le verra, mais on pourrait tout à fait voir un build-rain du côté de Leoric qui serait excellent. Pendant un moment, même sur les championnats réguliers, que ce soit Corée ou Europe, on voyait des petits builds hybrides. Attention par contre, TST essaye d'aller chercher Sport Billy.
ça tient pour le moment. Tracer met de l'impact. Pendant ce temps, on wave clear côté Liquid. On voit le Phoenix top et le Arthas bot. On va forcer les Genji à se séparer. Non, c'est sûr, on laisse le point pour justement récupérer l'XP sur les side lanes. Et derrière, on va rejouer le point maintenant, puisque Phoenix va pouvoir décaler et Arthas aussi. C'est bien, Arcaneur, c'est bien. Les esquives du coup des CC du Garrosh. La bombe attend sur quand même Arcaneur. Il va devoir Rico. Aïe, on l'a attendu au tournant. Côté coréen, premier sang pour les coréens. Eternal aussi qui devrait tomber. Saké. Ah, il en a voulu de trop là, Arcaneur. Il en a voulu de trop. Et attention, parce qu'hier contre Heroes, il avait fait une game désastreuse sur Tour du Destin. Et Saké aussi. Hein. Ouais, super. Stun de Saké en sortie de recall. Magnifique. Et là, mais il force, il force. On est Tracer contre Garrosh. On sait que Garrosh est un contre. On l'a dit, c'est le seul qui peut vraiment faire très très mal à Tracer. Tracer veut s'avancer pour mettre la bombe. Surtout que c'est une bombe early. Il y a beaucoup d'armure, il n'y a pas les dégâts en pourcentage PV. Donc il va rien mettre comme dégâts. Il essaye de forcer. Garrosh l'a puni. Il est obligé. Il force le recall. Et à ce moment-là, pouf, petit stun en sortie. Après, c'est bien de mettre des bombes en early de toute manière. Elles ne servent pas à grand chose. Donc ça sert de poke, mais faut pas se commit. Non voilà plus ça, pour, faut pas s'exposer. Pour les mettre. Et là, c'était le cas. Alors en tout cas, les Liquid qui claquent une tourelle, on essaye de jouer Striglam. C'est pas mal ce que fait Arcaneur. Là par contre de la pression sur IZ sans que le Garrosh soit s'ils arrivent à tuer cette tour rapidement, c'est excellent justement. Ouais, pour, voilà, il y a les deux. Et encore une tour côté de Genji et le pack de soins quand même. Alors en tout cas, c'est bien. Sport Billy en zone haut. TST qui va éloigner Sport Billy. Attention, il y a la galvanisation qui a été mise. La bombe sur Rich. C'est pas mal fait de la part d'Arcaneur. Pack de soins de forcé. Très très bien. Il y a toujours ces deux tourelles de présentes. Johanna qui veut monter. Après très bon pack de soins. Très très bon pack de soins. Et encore une tourelle côté Genji. Et là on peut pas le laisser. On peut pas le laisser. Attention Sport Billy, il y a la Galva. Mais il est pas trop bien Sport Billy, il faudrait prendre un kill, c'est pas mal. Rich. Oh, Rich qui s'en sort. A quel APV. C'est dur pour les Européens, mais ils reprennent le contrôle de la position. Azu qui tient derrière. Oh, le double A de Garrosh et TST qui fait le travail. Eternal qui va essayer peut-être de prendre un kill, ça suffira pas. Et ça va se retourner complètement contre Team Liquid. Il y a quand même Leori qui est tombé, mais 3 pour 1. Saké, il met des stuns. Ah, il est parfait. Hein. Mais là, TST aussi. Hein. Il a déjà stacké son niveau à hein, même pas 4 minutes 30 de jeu. Et là, son A qui fait donc des dégâts supplémentaires. Il a fait très très mal à Tracer et Deckard. C'est le petit souci. Hein, parce que là, premier Triglav plus autant de kills, bah, on a déjà quasiment 10,5 contre 9. Ouais, un niveau et demi d'avance pour les coréens. C'est ça, déjà un niveau et demi d'avance. Et on a un Triglav en train de ramasser de la structure pour accentuer encore cet écart d'XP. Ah, les Liquid qui sont déjà très très mal. Ah, le souci aussi, mine de rien, des cartes, on sait que c'est très fort sur Volskaya, hein, très très fort sur Volskaya pour les batailles de position, des contrôles. Mais Tracer, mine de rien, elle a du mal à aller chercher les potions. Même la frontline au final. Et on en profite bien côté Genji. On punit bien. Pas de purif encore une fois côté des cartes Kane. Donc dès que Garrosh chope quelqu'un, là t'as plus que tes yeux pour pleurer. Allez, le disque qui va faire du bien quand même. Attention Eternal. Aïe, aïe, Eternal. Il se retrouve hors de pause malheureusement. Le bump, on peut pas réduire la portée du bump avec l'arbre du 16 glacial. Donc c'est réglé. Si on l'entombe peut-être sur. Il l'a mis sur Arthas juste avant. Azuops. Qui va pouvoir transfert, ça va aller. Ah, c'est. C'est dur et puis faut pas l'oublier aussi Junkrat hein, c'est un perso très late game malga. Ouais c'est clair. Après attention, ouais, c'est pas mal le Renado. Ouais, bien joué Kyosha qui avait eu un petit peu en avance. Bouclé sacré claqué par Sport Billy, est-ce qu'on pourrait prendre un kill? Le Ricola encore un stun superbe de Saké. Kyosha qui tient avec le niveau 1. Saké qui fait une game absolument exceptionnelle. Il sauve Kyosha, il stun Arcaneur, il est partout. Il est partout puisque sur cette salve il aurait dû mourir. Mais avec le niveau 1 de Tyrande, eh bien, il sauve Kyosha. Superbe. Vraiment une game exceptionnelle du support de Genji. Ah, il est très très fort. Hier aussi, hein, il a été homme du BO. Hein. Homme du BO, on l'avait mis Saké. Hein. Il me semble, oui, c'est vrai. On avait mis homme du match sur la première et homme du BO sur. Oui, c'est vrai. C'est ça. Il est vraiment chaud à l'heure actuelle. Et les assassins de Genji, généralement, ils sont plus défensifs en ce moment, je trouve. Oui, alors et que du coup, on voit plus Saké ou même TST hein. Ouais, s'exprimer ouais. Un peu plus. Bah là, pour le moment, c'est les deux meilleurs, je trouve. Hein. C'est TST et Saké. C'est vrai qu'on joue un peu plus défensif côté Rich et Rizet, alors qu'avant, on les mettait tout le temps MVP parce que c'était eux qui faisaient les cafés. Ça laisse aussi un peu d'espace à Kyosha pour s'exprimer.
En tout cas Liquid qui est derrière, mais c'est pas eux aussi hein. Tu parlais du late game de Chacal. On a Tracer et en late game Tracer, n'oublions pas hein, chaque niveau elle gagne 6% de dégâts supplémentaires sur la bombe. Donc ouais, c'est sûr que... si Rich ou Sakai prend une bombe, ça peut faire très mal. Après il y a le niveau 1 encore une fois de Tyrande qui fait la diff. C'est ça, il y a le niveau 1 de Tyrande, mais tu l'as dit hein, plus t'avances dans la game, plus la bombe de Tracer est très très puissante. Et le niveau 20 aussi de cette bombe qui permet justement de faire enfin le coup en mêlée au niveau 20 qui permet de faire exploser la bombe instantanément. Ça c'est extrêmement fort sur Tracer en late game. C'est l'attrape-moi si tu peux je crois le nom du talent. Et là il y a le niveau 13 justement pour LGNG, un talent d'avance, sachant que l'objectif elle devrait pas arriver tout de suite. Je pense que Liquid pourrait peut-être jouer ce niveau 13 avant la prochaine objectif. Ce serait même pas mal. Parce qu'on attend. Oh, attention, invade. Ah, le souci, voilà, c'est qu'on invade. Oh là là, il attrape deux personnes. Tiens, Steve va même taunt. Directement, il n'y a pas de flèche de balancer. La bombe, c'est pas mal avec la pointe quantique. TST qui tient avec la mesure défensive son niveau 13. Plus l'armure magique Eternal qui claque ses ghouls. Il tient bien derrière. Ça va aller pour Azu qui s'en sort. Sport Billy, attention. Sport Billy. Ah, s'ils arrivent à partir. La flèche pour la re-engage. Sport Billy, ça va tenir. Ah, c'est personne bien. Ne meurt. Hein, c'est bien pour Liquid. Parce qu'ils ont mis pack de soins et deux tourelles, hein, Genji. Donc on a mis tous les objets. On a mis tous les objets. Et les objets, c'est très important. Parce que sur les objectifs, c'est très puissant, les objets sur Volskaya. Et là, du coup, ça remet un petit peu les objets à zéro. Les deux équipes n'ont plus d'objets. Mais par contre, il y a toujours cette différence de talent, Malga. Avantage Genji. Mais Liquid pourrait choper le 13 et jouer l'objectif, je pense. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Tous les ultimes ont été claqués en plus hein, d'un côté comme de l'autre, mais côté Liquid, en dehors de la salve et des ghouls, c'est des ultimes qui reviennent très vite. Côté Genji, c'est pas non plus la mort, mais c'est vrai que c'était quand même en plus à l'initiative de Genji cet engage, hein. L'invade et le taunt 3. Je m'attendais à une flèche du côté de Rich, mais j'ai l'impression que le flanking d'Eternal aussi a remis un petit peu les choses en perspective, parce que au départ, je me suis dit, oh la flèche 3 elle va partir, elle va faire très très mal. Mais au final, Eternal qui arrive sur le flanc, Rich qui ne balance pas l'ult, il attend un petit peu. Donc on s'en sort bien à côté du Queen, on s'en sort très très bien. Ah, finalement TST qui avait mis un très bon taunt mais qui a pas pu être justement suivi par Rich et Reset. C'est ça, parce qu'il n'y a même pas eu de pneumastique, on aurait pu voir flèche pneumastique partir très vite. Ça n'a pas été le cas. Et voilà le 13 pour les Queen. Ah, y a Arcaneur, regarde, il prend une flèche de Danzo. Et à ce moment là il est obligé de se rapprocher de Descartes. Et même Azuops hein, qui se fait poker par Rich depuis tout à l'heure. Attention. Le niveau 13 qui a été claqué, Azu qui a carrément une pour essayer d'aller chercher Rich, la bombe de raté par Arcaneur. Attention Reset par contre, Reset qui a dû claquer sa mine, ça va aller. Le Air Chacal, Azu Ops a mis le flèche de loupé par Rich. Arcaneur, on a claqué le tombeau, la frontline qui tient pour le moment du côté des Liquid. Eternal qui tombe malgré tout, il n'y avait plus les ghouls. Elles n'ont pas pu passer. Et derrière Sport Billy qui va se retrouver isolé, qui devrait mourir avec la marque de Tyrande. Et deuxième objectif pour les Genji, Reset qui aura fait un place ultra agressif je crois dans l'anti-fight. Alors j'ai pas vu si c'est lui qui a... J'ai pas vu le début en fait, il s'est retrouvé dans les backlines. Mais je pense qu'il a min-in, hein. Je pense vraiment qu'il a min-in. Bah, il a fait proc son 13 c'est sûr, donc il était tout seul. Il a fait proc son 13. Il a voulu aller en plein dedans probablement. Mais en même temps les assassins... Ou alors il y a Lorenado qu'on a pas vu, c'est possible. Peut-être, et les assassins de Liquid, ouais, j'aimerais bien le revoir parce que j'ai pas vu le début. Mais les assassins, parce que j'étais plutôt concentré sur voilà ce que faisait Arcaneur d'ailleurs qui a raté sa bombe Arcaneur. Il y a du mal hein, sur cette game. C'était la première map des phases de groupe, Malga. C'était Volskaya aussi hein, entre justement Liquid et Genji. Genji qui avait gagné sur Volskaya. Et l'écart était. C'était plus serré en early game. Mais par contre, le late game avait été complètement, complètement dominé par Genji. Et là, on est un peu sur la même phase. C'est-à-dire que maintenant, Genji va snowball très très fort. 3 niveaux d'avance qui va arriver justement avec. La prise du fort. Mais attention Arcaneur, hein. Attention, hein. Cette bombe elle aurait pu faire la diff. Hein. Parce que en vrai, Reset il a sauté dedans, il venait de tout claquer les liquids, donc bon, ça a été. Mais par contre, Rich il aurait dû mourir là-dessus. Hein. Il s'était avancé, d'ailleurs Azu avait suivi le call, il a E-in pour aller punir, pour aider Arcaneur à sécuriser le kill. Et Arcaneur se loupe, donc attention à ça. En tout cas, on va siéger maintenant le T de côté Genji. On va pas prendre de risque, on a juste ouvert. En fait, on a juste fait. On a sécurisé, on va dire, la prochaine objectif. C'est ça. Si on la récupère, là on va au corps. On va jusqu'au corps, puisqu'on a déjà ouvert le T de bot. Plus de fontaine sur le fort bot de Liquid. Et au passage d'ailleurs, volet explosif de récupérer par Reset. J'en avais parlé sur les phases de groupe, il joue de tout. C'est aussi pour ça que c'est le meilleur chacal du monde. Que ce soit dans les plays ou dans les choix de talent. Il est très très versatile.
très polyvalent et on le voit ici. Ouais, on essaye de forcer. Là voilà, la défense justement contre Tracer. Attention, la bombe qui est passée, le bouclier sacré. Saké qui va tomber, Saké qui va tomber, mais qui emmène Tracer avec lui. Tyrande est tombé. 4v4 à jouer maintenant pour les Liquid. C'est pas trop mal, le taunt sur Johanna pendant ce temps. Kyosha qui va essayer de debuff Johanna est tombé par contre. On n'a pas réussi à sécuriser le kill sur Kyosha. La flèche 2 d'Anzo. Ah, il va falloir repartir, il va falloir repartir, c'est pas forcément ça pour Eternal. Oh, il a re-engage, c'est pas mal de la part d'Eternal. Reset qui s'en sort. Azu, il va falloir tenir le transfert, c'est pas mal. Allez, il va mourir malheureusement. Il y avait Rich qui veillait au grain. Ah, Reset, le route, Eternal qui prend le trade kill. Mais il est mort, mais c'est bien, au moins il a pris le trade kill. Est-ce que New York pourra s'en sortir? Il peut pas mourir, je pense. Attention. Avec les petites potions partout. Attention, une flèche quand même, non, ça va aller. Ça va aller. Donc au final, c'est un 4-2. Ouais, c'était bien tenté quand même de la part des Liquid. Ils avaient pas le talent, ouais. Donc c'était risqué, mais il y a tellement de retard qu'ils ont besoin de prendre ce genre de risque. Maintenant, on est beaucoup trop avancé dans la partie. S'ils prennent pas de risque, ils vont finir par perdre. Du coup, c'était bien tenté et on a quand même bien trade kill côté Liquid. Hein. C'est bête, mais maintenant il y a le niveau 16 pour les Liquid. Peut-être qu'on peut justement reprendre encore une fight sans différence de talent. Et ça aurait même dû être. Enfin, sans la flèche de Rich, un 4-3 en plus parce que Léoric serait mort. Mais la flèche de Rich a vraiment changé la donne aussi. Mais après voilà, Team Liquid tu l'as dit, ils ont deux niveaux de retard, ils essayent. De toute façon ils savent que s'ils jouent pas maintenant, le point C va être récupéré par Genji et ce serait fin de la partie. Donc il faut tenter des choses. Malheureusement là pour le moment, Generation Gaming, très très bon. Encore une fois, hein, c'est pas pour rien qu'ils sont favoris de cette compétition et qu'ils sont triple champion du monde en titre. N'oublions pas le palmarès de Genji, triple champion du monde en titre, triple champion de Corée en titre et champion d'Asie. Donc ça rigole zéro hein, sur un CV. Maintenant, niveau 20 qui arrive, il faudrait peut-être tenter justement côté Liquid avant que le 20 tombe pour les Coréens. J'aime bien le 16 aussi d'un reset, hein. Ce choix de 16 aussi, ouais, parce que Tracer. T'as surtout la situation. C'est surtout plus la situation, je pense qu'autre chose. En fait là, Liquid est sur une situation où ils vont devoir se commit, ils vont devoir forcer tellement fort les choses. Et là, la volée explosive pour défendre justement l'agression de Liquid. Et bah ça va être très très fort. Et on l'a vu hein, là quand Tracer est arrivé, il a balancé tout. Oh, le bouclier sacré de Fort Billy qui était tenté. Rich qui a utilisé le passif, son agilité naturelle. Dommage, bien tenté par Sport Billy, mais ça ne passera pas. Ça a été senti par Rich. Toujours aussi prévoyant, je dirais, les carries de Genji. Tu le disais, vol explosif de reset. Il a senti quelle était la condition de victoire côté Liquid. Et on a réussi à sauter au bon moment du côté de Rich. Maintenant il va falloir trouver l'opportunité. On a un bon niveau 16 côté Liquid, mine de rien. On a un très bon niveau 16 hein, avec le paré à tirer. Oh attention, Azu, la flèche de Rich. Arcaner qui passe sa bombe. Saké qui tient. Est-ce qu'on pourrait prendre le kill? Eternal, où c'est fait? Eternal qui prend le kill sur Saké. Attention, la salle de purification, TST, le pack de soins qui va lui sauver la vie. Mais c'est super par contre. 5v4 à jouer, même si le 20 tombe pour les Genji. Super important pour les Européens. Ouais, c'était ce qui était super important. Arcaner qui a vraiment bien joué puisqu'il a quand même pris le temps de mettre sa bombe alors qu'il avait pris énormément de dégâts. Et Lorenado aussi hein, pour essayer justement d'aller prendre un autre kill supplémentaire. New Rock et ses ultimes, hein, c'est toute une histoire. Toujours très playmaker. Et là maintenant, il y a le 20. On est qu'à 30% sur l'objectif. Apparemment, ils vont le laisser, je pense, c'est Genji. Sur Eternal, il veut forcer tant que Tian est. Ah, c'est pas bête. Attention juste au tombeau, hein. c'est un tombeau 20, bouclier sacré demi. Attention, on recule pour le moment, Lorenado, il y a l'ascensi superbe de Garrosh, le tombeau silence sur Eternal qui est pas bien, Eternal qui tombe, aïe, 4v4 à jouer maintenant, TST qui est pas bien, TST, est-ce qu'on pourrait mettre la bombe peut-être, le parchemin, il faut le ça tuer, touche pas, et Sport Billy qui tombe pendant ce temps, en 4v4, certes il y a le 20, Azu qui part jusqu'au bout, ça tiendra pas. TST qui ne mourra pas, Rich, ça y est, ça tombe au moins. Et y a Tracer, hein, il faut prendre Tracer. Voilà, c'est pas mal, ça a triplé pour Tracer. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Non, mais il a ramassé les kills et ça c'est super important. Et heureusement. 3-3. Parce que là, c'était si Arthas mourait, ils n'arrivaient pas justement à les suivre derrière les Liquid. Ah, c'était tellement dur pour les Liquid. Et là, Arcaner vient de sauver la partie en prenant ce triple kill. C'est ça, on lui a offert hein, parce qu'ils s'étaient tous sacrifiés limite pour pouvoir finir le kill. Ce qu'a fait Genji, c'était très très intelligent aussi. Hein. Ils ont forcé justement une fight hein, pour delay l'objectif, pour essayer justement de temporiser le retour de Tyrande. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté de Liquid, en termes d'XP, on est très très bien revenu. Il n'y a plus qu'un niveau d'écart, le 20 va tomber pour les Européens. Ah, c'est une belle opération, puis à 71% sur le point C. C'est bien honnêtement hein, ce qu'a fait Liquid.
pourrait se dire qu'il y a un peu de déchets, que c'est brouillon. Alors, mais au final, ces morts sont très rentables. Alors là, il y a encore quelques secondes de timer de mort hein, sur le Genji. Ce serait peut-être bien d'essayer justement d'exploiter ça. Côté Liquid, sachant qu'Anzo a un peu un global avec son niveau 20, donc faut faire attention à ça aussi. C'est vrai qu'il a pris la flèche au 20, tu as raison d'en parler. On est parti sur la vitesse d'attaque et la flèche qui débuffe du côté de Tyrann. Ah, ça c'est le niveau, ça c'est le 16-20 qu'adore faire reset. Donc la pneumatique améliorée qui réduit le temps de recharge pour chaque ennemi touché, qui lui permet d'être tressé. Enfin, en gros, vous balancez vos explosives. Quand la volée explosive est tout simplement CD, bah, y a la pneumatique qui peut être mise. Quand la pneumatique est terminée, le temps de la récupérer, t'as la volée explosive, etc., etc. Attention, le Triglav qui est pour les CMP1, c'est pas mal, c'est pas mal. La salve et Junkrat qui tombe. C'est super pour Liquid ça. C'est super pour Liquid. 5v4 à jouer plus Triglav. Ça peut aller loin. Faut aller jusqu'au corps. Ah oui, là faut aller loin. Faut aller jusqu'au corps côté Liquid. One shot. C'est Junkrat, hein, c'est le meilleur des push, hein, j'ai envie de dire justement, la meilleure défense qui vient de tomber. Même s'il y a Anzo, c'est pas aussi fort que Junkrat. Et là, les Queen, ils se dirigent sur le corps. Et là on a eu un super taf hein, avec cette bombe. Ce niveau 20, t'en parlais hein, de Tracer. Tu ne m'attraperas jamais. Tu mets le coup en mêlée, ça active la bombe automatiquement. Donc, bombe, coup en mêlée. Et ça explose tout de suite. On s'est complètement fait surprendre. Attention. Maintenant, AST2, ce qui va tomber, hein, c'est un château de cartes hein, face à Strigla, mais il est quand même pas trop mal défendu. Hein. Rich qui envoie beaucoup de dégâts, attention à Zoom. Ouais, faut être plus agressif côté Liquid. Ouais, c'est ça, c'est ce que fait Smart Billy. C'est ce que. Ah, Rich. Oh Rich. Oh Rich. TST qui a pris très cher aussi le T2. Il faut tomber le T2. Il faut continuer tomber le T2. Côté Liquid. Il y a 6 secondes encore avant que Chacal revienne. Ah, dommage qu'on ait pas réussi à prendre le kill. C'est pas fini. Si on prend le kill, on va siéger le corps. Il reste 40 secondes sur le Triglav. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Evil Poke. Il faudrait peut-être reculer un petit peu, le Triglav tombe, le route sur Rich qui passera pas. Attention la volée explosive. Non c'est bon, le pneumatique qui touche, il y a eu quand même de la. Il y a eu des réductions de CD, attention le taunt sur Eternal. Eternal qui est pas bien, la pneumatique qui revient. Et qui prend le kill, le taunt sur Nurok. Attention, Arcaner qui est pas bien, Arcaner qui doit reculer, est-ce qu'il lui reste des dashs? On va balancer le Léoric du côté de TST, Arcaner ça tient pour le moment. On arrive à protéger, attention Kyosha sur Arcaner. Qui arrive à prendre le kill sur Tracer avant de tomber. Liquid doit reculer, mais c'est pas simple du tout pour les Européens. Rizet qui va très agressivement aller chercher peut-être le kill, oh sur Murak qui tombe. Ah c'est dur, il va continuer Rizet. Il a le Air Chacal pour rejoindre TST qui utilise le tapis et voilà. Azu qui va tomber. Il y a le 20, mais bon ça suffira pas. Et Johanna pour défendre toute seule. On va même prendre la tourelle pour avoir de quoi tanker, je pense, le T2. Il n'y a pas de wall en plus sur la botlane. Aïe, 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 ils ont été trop loin. Ah, ils vont perdre été... là-dessus. Et le 20 de reset a fait la diff. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il a pu enchaîner sur une deuxième pneumatique pour tuer très rapidement Eternal? Par contre, il vient de claquer un taunt dans le vide, TST, je crois. Il vient de lancer un taunt dans le vide. Bon, je sais pas si ça suffira. Carte assez de retour, Smart Billy qui prend très cher. Il y a le 20 de Smart Billy. C'est pas mal. Est-ce que ça pourrait tenir? Ça va pas suffire pour Smart Billy. Oh, le joueur sacré. Non, il va tomber quand même. Eternal qui essaye de tempo Arcaner. Il y a l'arrivée de la Tracer. Ah, les ghouls. Les ghouls. Attention. C'est pas mal. Eternal qui a tenu. Bombe, hein. Il y a une bombe hein, sur Tracer qui arrive, Malga. Ils ont réussi à défendre pour le moment. C'est pas simple. En siège, Rich sert à rien. Oh, cette game. Et ça défend, hein. Ça défend côté Liquid. C'est super ça. Hein. C'est une bonne opération. Hein. Oh, et le public. Le public est bon, Liquid, ah ouais, ça, on l'avait dit hier. On l'avait dit hier. C'est super. Et en même temps, je pense qu'il y a eu de la précipitation sur ce call core. Mais c'est compréhensible, d'ailleurs, parce que Liquid, à mon avis, s'attend pas forcément à mener comme ça avec un Triglav. Mais c'est le. Non, mais c'est niveau 20 de reset. Hein. Ouais, bien sûr. Ça a surpris. Hein. Ça a vraiment surpris Eternal. Hein. Il s'est fait surprendre sur la deuxième pneumatique. Il s'attendait pas à la deuxième pneumatique, ouais. Il s'attendait clairement pas à la deuxième pneumatique. En même temps, c'est. Et moi, je pensais qu'il avait touché 3 personnes, mais en fait, c'était 4. 4. Il a touché aussi. Il a dû toucher aussi Johanna, en fait. Et du coup, il a directement mis. Le reset, instant. Ouais. C'est la force, hein. C'est la force de niveau 20. Alors maintenant, on a envoyé le camp de chaque côté. Niveau 22. Alors là, chaque niveau est important. Alors, pour Tracer. Oui, oui, là, c'est justement. C'est un des rares persos, justement, qui devient de plus en plus fort, même après le niveau 20 bien sûr, puisqu'il n'y a plus de talent après le 20, mais Tracer a cette bombe, 6% de dégâts supplémentaires sur la bombe à chaque niveau. Donc là, le 22. Alors par contre, quatrième objectif sur Vlaska, on n'y arrive pas souvent. On a eu un cinquième, je crois, la semaine dernière, qui est très très rare. Mais en tout cas,
Attention, attention. Parce que là maintenant, le moindre teamfight, c'est probablement la game hein, pour une des deux équipes. Canner, attention à pas se prendre du dégât. Les potions niveau 20, c'est des cartes là sur cette carte qui sont vraiment intéressantes. Et ça va faire du bien au tank aussi. On a claqué le 13 du côté de Nurok. C'est pas mal. TSI qui a pu son A. Attention, Kyosha qui arrive sur le flanc. Il attendait que ça. Hein. Il attendait que ça. La menace du tombeau 20 aussi. Hein. Le silence qui peut faire mal. Les potions améliorées hein, qui vont sauver les tanks également. Attention TSI, le Lorenado. On a claqué l'incensi sur le bouclier sacré. Attention Azu, 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 oh Azu qui se fait choper. Yalvin, Yalvin, Yalvin pour le protéger. Yalvin qui pourrait peut-être lui sauver la vie, alors qu'il est pas bien. Azu ça tient, ça tient pour Azuops. On a claqué beaucoup de choses du côté des Genji. Mais Reset il met tellement de dégâts encore. Encore une fois Arcaneur, hein. Je crois qu'Arcaneur a pris la pneumastique en plein dans les dents. Il va falloir faire gaffe, hein. Il va falloir vraiment faire gaffe. Parce que côté Liquid, on a les ultimes, on a claqué pas mal de choses. Il reste la salve, le Lorenado qui revient vite. Attention, attention le tremble-terre de TST. Peu stun. Kyosha n'a plus de tombeau avant 15 secondes. C'est peut-être un moment. Ah, la tourelle, la tourelle. Il y a encore un pack de soins côté TST. Le route, oh, ça va prendre TST qui prend cher. Le 13 de Nekarkai qui met la diff. Kyosha qui prend très très cher Azu. Qui va peut-être tuer Kyosha. Azu qui doit repartir. Hein. Il n'y a plus de niveau 20 pour Azu. Le taunt, demi. Le taunt sur Johanna. Il y a le 20 de Sport Billy. Ça tient avec les potions infinies. Eternal, Arcaneur qui prend cher hein, par la tour. Il n'y a plus de tourelle. Il n'y a plus de tourelle. On peut respirer, faut remonter ça avec des cartes Kane. Et oui, il y a les 20 à prendre en compte. Hein. Cette sustain. Et voilà, la volée explosive pour essayer de mettre un maximum de dégâts du côté de Reset. Il y a une pneumastique déjà pour Reset, Malia. Ah, il va la claquer. Il va la claquer maintenant. La flèche, attention, qui touche que Sport Billy. Sport Billy, le one shot qui va partir sur Johanna. Il faut prendre un kill. Il faut prendre un kill du côté d'Arcaneur. Allez, directement, on essaye de protéger Kyosha. Avec le niveau 1 de Tyrande, l'armure anti-magique. Oh, c'est pas mal! Rich qui est pas bien! Oh, la bombe qui tue pas! La bombe qui tue pas, malheureusement! Darkhanner et ça sauve Rich! Derrière Azuops! Attention, c'est pas mal, ça tient, c'est qui a plus l'incensi, tient, c'est qui tombe! 4v4 à jouer! 4v4 à jouer maintenant pour les Européens! Et Liquid a le contrôle de l'objectif, il y a plus de temps pour marcher dedans! Eh oui, c'est vrai, c'est que Léo qui peut rentrer, le 13 de l'écart gagne! C'est pas mal, Rich! Oh, cette protection de Saki encore une fois, super, Azu, tu fais un super taf Azu, il sauve tout le monde, le Triglav il est pour les Européens, peut-être la game pour Team Liquid, qui va partir sur la battle, Rich attention, qui tente un petit peu son va-tout là-dessus, oh, là oh ça là sent bon, ils peuvent pas défendre, ils peuvent pas défendre, c'est pas possible, ça va être compliqué, hein. il reste Chacal, il y a Chacal quand même, est-ce que la pneumatique compte deux personnes s'il touche le Triglav? Non je pense pas, je pense que c'est une personne. Attention, attention, Sakie qui prend très très cher. Oh là là, Sakie qui a failli mourir, on reste réventif du côté des Liquid. Il faut aller sur le corps, il faut aller sur le corps, Rich peut-être le root. Rich qui utilise son niveau 20 pour ne pas prendre le root, on n'est pas bien du côté coréen. On va peut-être canceller cette première game. Liquid qui va mener 1-0 dans cette demi-finale TR. Incroyable retournement de situation. Team Liquid qui mène 1-0 dans cette demi-finale des championnats du monde. Qui l'eût cru, TR? Qui l'eût cru, l'Europe mène 1-0 contre les champions du monde en titre. Ça me rappelle la BlizzCon 2016, les gars. Rappelle-toi, oui. L'MVP Black qui s'effondre en demi contre Fnatic, qui était même pas justement une équipe favorite dans ce tournoi. Super. Alors, on est que sur la première game. Oui, voilà, calme-nous. GMG a quand même calme-toi. Non, mais... ah non, mais... Oh là, cette game était incroyable. Arcaneur au final a fait vraiment. Il s'est bien rattrapé, ouais, parce ouais. Que le début était difficile hein, pour Arcaneur, mais à la fin le kill sur TST. Et Lorenado encore mais de New York. Protection hein. Des... Mais comment Rich s'en sort deux fois à deux un fois, PV. Deux fois un c'est, PV. C'est impossible. C'est impressionnant. Impressionnant. Et n'oublions pas que Team Liquid ils reviennent de très loin. Western Clash, ils avaient complètement loupé leur compète. Dernier du Western Clash. Dernier du Western face aux Américains et aux autres Européens. Et finalement.
d'être terminé, mais là, on vient d'avoir la deuxième map, et c'est pas n'importe laquelle. C'est une très bonne map pour les Vikings, évidemment, choix de Liquid, et Tower of Doom. Et map faible de Genji. Ils en ont pas beaucoup, mais Miracle les a toujours battus dessus. Genji avait ban Tour du Destin contre Miracle sur les phases de groupe. Hein. Attention là, à ça. Je pense que là, le mental est... C'est crucial de garder, hein, de le garder. Parce que le momentum, il faut le prendre. Hein. Clairement. Honnêtement, c'était une victoire Genji. Cette première map, ouais, c'était pour Genji. C'est juste. Ils ont tout bon. A pris des décisions. C'est ce qu'on n'a pas vu chez Tempest hier. Tempest hier, ils n'ont pas réussi à forcer les choses quand ils étaient derrière. Exactement. Et là, Liquid, ils ont pris des choix avec un talent et en les arrière. Sacrifices. Sport Billy qui choisit de se suicider à la fin pour retarder, laisser l'occasion à Tracer de revenir et d'être une épée de Damoclès au-dessus de la tête des Genji. Non, clairement, que des bonnes décisions. En tout cas, Tour du Destin, map clairement Liquid. Et ils dorment tous là-haut, non, mais... Le public, c'est la pression. Mais là, on est en draft, il faut réfléchir. Mais même non, mais... En tout cas, côté Genji, on van Garrosh et Descartes Kane. Descartes, hein, qui aura été menaçant. Et maintenant, côté Liquid, on van Maiev. Le Descartes Kane, hein, on le banne contre Liquid. Nurox joue énormément ce héros et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est probablement le meilleur Descartes. Hein. Alors, on avait vu Saki au-dessus qui était vraiment trop Saki, fort. Saki est très très bon dessus. Il était juste trop fort mais dessus. Mais Nurox, ses ultimes sont toujours playmaker. Et puis, quand tu compares à son héros pool, faut pas oublier qu'il a swap en support sur cette saison, hein, sur la dernière saison, sur la phase 2. Et à l'heure actuelle, on l'a vu très fort sur Descartes Kane. C'est vraiment le héros justement qui l'a fait décoller sur son rôle de support. Et du coup, je pense que c'est un très bon ban. Hein, Non mais en plus, encore une fois, pour revenir à la game d'avant, Genji a eu tous les picks qu'il voulait presque. Reset sur Chacal, Saké sur Tyrande, qui a été... Si Genji avait gagné, j'aurais mis MVP de Saké. Hein. Personnellement, je l'ai trouvé exceptionnel. Donc, on a eu les drafts qu'on voulait côté de Genji. En tout cas, Liquid... Il y avait des très bons bans d'ailleurs, hein. Les bans concernant Azuops et Sport Billy. Alors, d'ailleurs, justement, deux des pick bans sont récupérés par Liquid. Est-ce que tu vois un ban Arthas pour Liquid s'il n'est pas récupéré là? Parce que Garrosh est déjà ban. Garrosh, évidemment, c'est le héros contre Diablo, hein, à avoir. Mais là, il est ban. On a laissé Diablo à Liquid côté Genji. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de récupérer ou ban un Arthas même, hein, côté Liquid? Irel très rapidement. Mais est-ce qu'on le prendrait pas aussi côté... Après, faut voir parce que tout dépend du plan de jeu de Liquid. Mais Irel effectivement récupéré très tôt par Kyosha avec un petit Anzo. Surtout qu'Irel, on en parlait, mêlée, c'est dangereux parce que t'as encore des Vikings, t'as pas mal de choses et pas de ban Arthas. On aura un ban Johanna côté Liquid. Irel est très très peu pick. C'est un ban tank wave clear. Hein. C'est un ban tank wave clear ça. Je m'emballe peut-être, mais c'est un ban. Tank wave clear. Ouais, mais après contre Viking, t'aimes bien. Vaut mieux avoir un tank qui force. Ouais, c'est vrai. Que le wave clear. Et je dis Viking, ça pourrait être du Samuro aussi, hein, ce genre de choses. Moi, Eternal, tu le vois pas sur un Samuro? Alors. Et le mec qui vient de jouer Viking hier? Je sais pas trop pour Samuro, honnêtement. C'est pas forcément évident non plus. C'est sûr. Eternal, je l'ai pas trop vu dessus en plus. Hein. Non, moi non plus, hein, mais bon, est-ce que tu l'avais vu mais sur Viking? Viking. Non, mais après, ça a rien à voir. C'est vrai. C'est quand même très différent. Samuro a quand même besoin de. T'as besoin de beaucoup d'expérience sur le héros pour le jouer. Alors Viking, c'est beaucoup de vision de jeu. Thrall. Et Arthas de nouveau pour Eternal. Donc Thrall pour Azu et Arcaneur qui doit être sur Raynor, normalement. J'avais peur de le voir de l'autre côté aussi sur Arthas et là. Et puis Eternal sur Arthas, hein. Ça fait deux games qu'on le voit, il est juste trop fort dessus. Et la frontline, Arthas, Thrall, Diablo, c'est des déménageurs. Hein, Du coup, ça sera Azuop sur Thrall. Oui, normalement, puisque c'est un gros joueur de Thrall. Oh, Hammer de récupérer par les Generation Gaming, avec un Tyrael pour TST en main tank. Le support. Alors, Abattoir est encore open, mais bon, ici, je pense. J'aimerais bien un Karazim. Karazim, t'as le blocage au niveau si 4 contre Hammer. Abattur, ouais, en solo sup, c'est vrai qu'il est toujours pas mal. C'est bizarre ici, mais. Pourquoi pas? Non, c'est vrai, t'as raison. Abattur, ça pourrait. Ah non, Malfurion. Malfurion de récupérer. Non, parce qu'Abattur, c'est pas évident non plus, généralement, contre une Hammer qui peut forcer beaucoup de choses. Mais en support. Enfin, ça permet aussi à Arthas de plus décaler, plus aider son équipe. Et Irel a pas forcément une force de push énorme, donc c'est vrai qu'Abattur aurait peut-être pu être intéressant. Et j'aurais aimé Karazim aussi. N'oublions pas que Karazim était vraiment revenu sur la scène coréenne aussi parce que Hammer était forte et Karazim a le blocage niveau 4 qui lui permet de réduire considérablement le DPS d'Hammer et pour rentrer dans la tronche d'Hammer, il y a du monde, hein. Il facilite énormément le dive,
Mais bon, après, c'est peut-être un petit peu all-in. On préfère un Malfurion pour Nurok. La Hammer, elle me fait peur ici. Hein. Elle me fait très peur ici. Elle a été très bien draft, encore une fois, là, dans les last picks. Il restait plus qu'un support côté Liquid, donc c'était très dur de s'adapter contre. Après, en wave clear, ils sont pas si fous. Hein. Non, mais c'était sur Tower of Doom. C'est, ouais, pas, ouais. C'est pas si grave sur cette carte. Donc, après, on va voir Irel contre Arthas aussi. Irel contre Arthas, parce que la Irel a été récupérée très rapidement. Et je pense que Arthas, je sais pas trop ce que ça donne. Je pense qu'Irel a l'avantage quand même. Avant, je pense que Irel, wave clear. Après, le truc, c'est qu'Arthas prend des bons trades. Mais wave clear, faut voir ce que ça va donner. En tout cas. Non, moi je. Je pense qu'Irel a quand même l'avantage. Ah, mais elle va quand même avoir une game difficile, Irel. Hein, parce que t'as Arthas, Astral, t'as Raynortral déjà. Donc c'est de l'anti-tank pur. Diablo qui peut la bloquer un petit peu. Beaucoup de choses vont se tourner autour de la protection de la mer, hein, de toute façon dans cette partie. Ce qui est bien pour Liquid quand même, c'est qu'ils ont l'habitude de jouer du Thrall. Il y a un moment, ils font que de la mer. Ouais, après c'est pas la même hammer. Hein. Non, c'est sûr. Et puis Dig, il rigolait pas non plus avec la hammer. Justement, ils ont beaucoup scrim d'Initas. Donc. Moi, la hammer me fait peur. Moi, je pense que c'est vraiment la carte très très forte ici des Genji. Mais d'un autre côté, je me dis que Liquid a tellement joué avec Thrall, à un moment, il jouait que ça. Ouais, et à l'époque, ils se faisaient ban en permanence. Ouais. Voilà, ils ont l'habitude de jouer avec ce genre de draft. Maintenant, comment ils vont gérer cette hammer? Est-ce qu'on va essayer d'affronter? Est-ce qu'on va l'éviter? Généralement, c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Soit t'as les forces justement pour la punir, soit tu vas à l'opposé de la carte. Et, parce qu'il faut. Voilà, faut pas oublier que Hammer push très très vite aussi. Allez, en tout cas, on est parti pour les joueurs avec Genji qui est mené 1-0. Vous ne rêvez pas, non, ce n'est pas un problème de score. Genji est mené. On retrouvera TST sur Tyrael, Reset sur Anzo, Rich qui sera sur la Hammer, Kyosha sur Irel et enfin, il me manque Sake sur Tyrande. Et du côté des Européens, Malga, Zwap sur Thrall, Nurok sur Malfurion, Eternal sur Arthas, Sport Billy sur Diablo et enfin Arcaner sur Rhaenor. Exactement. Côté Liquid, les talents, hein, on a la part du diable pour Sport Billy. C'est vrai que Malfu a du mal à remonter un Diablo. Alors, ce qui est bien aussi avec la part du diable, c'est que tu peux vraiment aller loin dans les fights si par exemple tu pré-tapes. Et contre une hammer, ça peut être très intéressant parce que c'est parfois vrai, tu vas tellement avant, prendre de dégâts que tu prends la fontaine très rapidement et t'engages justement avec cette deuxième barre de vie supplémentaire. Plus voilà, si tu fights à côté d'une. Par exemple, les hôtels bots. Pour Diablo, c'est excellent hein, parce qu'il peut récupérer. Ouais, c'est pas mal. Il esquive le stun instantanément. Le root en des bons dégâts sur Rich. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez. Hein. Ouais, bien sûr. Pas pour là, le moment. Pas pour le avec moment. Tyrell, Tyrande, en plus d'Hammer, plus les 50 d'armure de Hammer, on a vraiment pas de quoi l'inquiéter pour l'instant. Mais voilà, la part du diable hein, qui permet à Sport Billy, voilà, de, sur les globes, sur les fontaines, de régénérer plus. Et encore, il a pas encore beaucoup d'âme. Rich qui est caché. Ouais, l'embuscade dans le niveau 1. Plus de burst. Hein. Plus ce côté tactique. Chaîne d'éclair bleu, as dans la manche. Le root pour Arthas pour toucher de très loin. La vulnérabilité fera du bien aussi hein, du côté des Liquid. Et l'auto-attaque pour Malf. Côté Genji, plutôt du classique, la purge. Juste universel, hein, le bouclier amélioré pour son équipe. 1000 flèches, les autos qui soignent et l'embuscade. Pas trop de surprises. Non, clairement. Alors l'avantage sur la mid lane, c'est que Thrall va globalement être assez tranquille, Anzo peut pas forcément contester le Thrall. Ouais, ça compense le wave clear d'Arthas. Voilà, l'avantage c'est ça, c'est qu'Irel, là on l'a vu, elle a eu l'avantage de la rotation sur Arthas et du coup elle peut aider sur la mid lane. Mais attention aux supériorités numériques que Genji peut jouer avec un 4v3 puisqu'Irel toute seule peut essayer. Bon, c'est pas le meilleur double soaking du monde. Ouh, Irel, attention, Kyosha, ça va aller. Après, ouais, ils sont 5 bots hein, pour absolument escorter ce camp jusqu'au mur. Ouais, c'est vrai que là, groupé à 5 comme ça. C'est très coréen ça. Hein. Après, Irel peut se faire bloquer. Sur hein. Le stun 2. Ouais, ça va aller, il n'y aura pas de suite. Mais attention, ce stun 2 là de Sake est très très chaud sur sa tire. Voilà, Irel qui peut pas remonter, elle le sait, je pense qu'elle va. Elle va être attendue. Elle va être attendue. Attention. Le route demi. Non, il avait encore son E. Kyosha. Oh là là, j'avais pas vu la décale de TST aussi. Hein, qui est... Très rapide. Il est remonté très rapidement, justement, senti, au cas où. Si justement il y avait une fight. Par contre botlane on a très bien profité et c'est Rich qui s'est pris une agression. C'est bien Sport Billy qui arrive à bien bloquer TST ainsi que Sake. Casser les rotations. Alors, hein, c'est important. Irel a un très bon ratio sur le tournoi aussi hein, malgré pour l'instant. Elle est sur du 69% de win rate. Et très peu joué par contre, c'est vrai que. Bah, non, quand même, je m'attendais à moins, mais elle a quand même été pas mal récupérée, hein, 40% de popularité. Et elle est très peu ban, donc elle apparaît quand même.
quand même pas mal. Bon, après, c'est vrai que Woubi il casse tout. Il est pas drôle. Il est relou, hein, t'enlèves Dignitas, je pense que les stats ne sont pas les mêmes. Attention Arcaneur. Arcaneur qui prend beaucoup de dégâts. Et au niveau 4, il est parti sur les PV d'ailleurs, Arcaneur. Le stun. Ouais, c'est pas mal. Reset, il manque pas grand chose, ça tient. Ah, décidément. Décidément, les Hanzo coréens tombent pas. Hein. Ah, mais ils souffrent. Hein. Certes, ils tombent pas, mais ils souffrent. Le niveau 4. Oh, ça me fait plaisir. Tu as vu le niveau 4 d'Irel. Vitesse de déplacement. On en parlait, hein, que l'armure était peut-être un petit peu trop considérée ces derniers temps. Pas mal, Sword Billy. Essaye de bloquer TST. Attention, TST qui va pouvoir repartir. Après, on était 5 bots justement pour wave clear cette vague. Irel qui est déjà en train de double saut. Karthas va arriver, mais un petit peu en retard. Et on va pouvoir temporiser hein, côté Genji. Mais c'est bien vu ce niveau 4. Hein. Anti-route face à Malfurion Arthas. Mais également de la move speed. Hein. La move speed enchaîne. Et même Thrall. Hein. Et Thrall, c'est vrai que j'ai oublié Thrall. Très fort contre Tyrande, puisque Tyrande ne peut pas purger les routes, hein, on le rappelle. Ne peut pas bloquer les immobilisations. Avant, elle pouvait, mais pas avec ce reward. Ouais, très fort avec, ouais, avec Tyrande, ouais. Pour le coup, c'est vrai. Ça complète la purge de Tyrande. Alors, en attendant, on reset plus la vitesse de déplacement, hein, mine de rien. On a vu Hanzo là tout à l'heure qui avait pas de protection. S'il n'y a pas de mur, il est très vulnérable. Enfin, Irel peut énormément aider Hammer. Hein, pour la... C'est vrai que si elle le balance sur une Hammer qui est en siège. La Hammer elle se déplace quasiment aussi vite. Attention, attention, on chope TST, c'est pas mal le route qui a été envoyé, le kill sur TST, il manque une auto, c'est bien. C'est bien, le premier sang de cette partie, il est européen. Raynor a fait très mal, hein. Il y a beaucoup de route, beaucoup de contrôle. Il y a pas Irel, hein. Donc pas de purge, attention reset, c'est bien Sportvik qui met beaucoup de pression. Tu le disais, hein, peut-être son meilleur pic. Le Diablo, peut-être son meilleur pick et on l'a vu ici, attention, les sapeurs qui passent. Et c'est important hein, que ce Diablo soit vraiment bien maîtrisé à l'heure actuelle, parce que Diablo lui par contre s'est écroulé hein, dans ses Worlds en termes de winrate, hein. 37% pour l'instant, alors que pourtant on a Dignitas qui l'a pas mal joué. C'est vrai. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est très dur de rentabiliser le Diablo. Après c'est le meilleur nombre, 37, hein, on est parfait. Meilleur département évidemment de France. En tout cas, côté Liquid on a pris l'antil au niveau 4. Pour Malfurion, build Z pour Diablo, ça se comprend aussi. Hein. Il va y avoir quand même une grosse guerre de position. Donc la build sustain. Tu penses quoi du mastodonte de récupérer par Raynor au 4? Il n'y a pas tant besoin d'anti-burst que ça, donc pas l'armure. Mastodonte, donc plus la game avance, à chaque fois qu'il fait claquer son dé sur un héros, il gagne des PV. Je sais pas, je le vois mal trop stacker non plus. Hein. C'est pas si évident non plus pour lui de stacker. Il va le faire sur les frontlines. L'incensi bien joué pour pas que Sportvili puisse retourner la Hammer. Peut stacker sur TST peut-être dans l'idée. Sur le stun qui passe, on a claqué le soin. On va voir, attention, il n'y a pas de pur, ils font le, c'est le route qui passe sur Reach. L'anti-heal de mine, nouveau route. Oh, il n'a pas connecté. Le route d'Asiops a pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Hein. C'est joué à rien. J'ai même cru J'ai même cru que c'est une pure, jouez-moi aussi. Attention. Oh, ah, Zu qui va tomber. La flèche explosive de Reach qui fait. De Reset, pardon, qui fait la diff. Ah dommage, dommage à Zu là qui a fait une décale qui aurait pu être excellente. Le route un tout petit peu trop loin, ensuite il est un tout petit peu trop avancé, Reach. Il y aura un an. Non, il y en a claqué l'incension. La mort est au pire timing. Oh là 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 là. Tu as vu le niveau 7 de Tyrell avec Hammer. Ouais, ça, sûr. Ça donne des idées, ça. Hein. Ouais, ça donne des idées très. Mais c'est ce que je te disais aussi avec le 4 d'Irel. Hein. 4 d'Irel plus la verdict instantanée. Et Lucio. Bon, bah, évidemment, il est pas là, mais. Bah, Lucio, ça donne des petites idées avec Hammer. Avec le nouveau changement pour Lucio, pourquoi pas. Mais ouais, l'idée c'est que. Non, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est horrible en fait. Alors, on parlait un petit peu avant le live de trucs cancer et ça c'est horrible. Hein. Non, mais c'est une manière de rendre le rework Hammer très très fort en fait. Oh, non, mais encore plus dégoûtant, tu vois. C'est vraiment dégoûtant là. Ça permet vraiment d'aller très vite en siège. Parce que normalement, voilà, t'es en mode siège, tu bouges pas. Et ces persos là font que du coup elle peut bouger très vite, quasiment à vitesse normale alors qu'elle est immobile. Elle est censée être immobile. Regardez cette vitesse de déplacement absolument ridicule. Mais avec Vindict instantané, voilà, regardez la Hammer, elle se déplace très très vite. Là, t'as l'ancien gameplay d'Hammer, mais avec la nouvelle. Et la range supplémentaire. Ah, je suis très content du rework. Hein. Mais... J'en profite. En tout cas, en termes d'XP, on est très très serré. L'engage de ville, on force la pure. Allez, on force la pure. C'est important de forcer le niveau 4 d'Hammer. Sinon, Ardent défenseur, sanctification. Flèche du dragon. Napalm hein, de récupérer par Reach. Et les metteurs, attention, c'est pas mal. On chope Kyosha, le route qui est pas passé de la part d'Azios. C'est Kyosha qui prend très cher. Là, dans la manche. Oh là là, Irel qui a pris cher. Mais attention, la flèche 2, très bonne purge. Très bonne purge de Nurok. On va peut-être même re-engage. Dommage, le route ne connecte pas de Nurok. Ah, on a quand même craqué un ulti de Malfurion ici pour ça, contre le poke justement de cette Hammer.
et beaucoup de napalm. Hein. Oh là, ça c'est belle. Swordby qui va choper Kyosha. Ouais, ça va être une guerre d'usure aussi là, hein, en positionnement. Là, on est sur la première guerre mondiale, sauf qu'il n'y a pas de tranchée. C'est de la vitesse de déplacement pour chaque côté. Mais c'est vraiment une guerre de position. Ouais. S'il y avait une fracture neutrale, on aurait pu dire qu'il y avait une tranchée, mais. C'est vrai. Mais non. Non, on a d'ailleurs, je suis surpris. Hein. Le séisme ici pour tanker un peu plus encore, je peut-être pense. Peut-être un peu plus. Tyrande, mine de rien, n'a pas de mobilité. C'est peut-être pour nullifier la mobilité des Genji aussi. Hein. Parce que tu mets un slow de zone. Moi, je pense que c'est pour la. Oh, le route Eternal est pas mal. L'insensite force, c'est très tôt. Kyosha. Il y a trop d'outils défensifs. Eternal, attention, qui prend très cher. Eternal. Oh, le one shot. Ah, Nura qui a pas pu le remonter. Et on n'a pas pu faire proc les ghouls, trop tard. L'ultime d'Eternal, c'est un kill bête. Ça, hein. C'est un kill bête. Il a été un poil trop loin. Il a sous-estimé le burst quand même avec la marque de Tyrande plus le stun. Et il a surestimé son healer aussi, je pense. Parce que c'est qu'un malfa. On ne peut pas forcément le remonter comme ça. Si on l'a sorti, c'est compliqué pour Liquid là. Cette flèche de reset, elle a fait mal. Et on continue. Sport Billy qui se fait bloquer par TSI qui fait une super game. Kyosha qui zone Sport Billy et c'est 3 kills là-dessus. Oh, on va prendre le 4-bot plus l'objectif sur la mid lane après. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. 36 points de vie sur le corps de Genji. Hein. Ils sont pas contents. Bah, tu te rappelles de l'époque où tu me disais que Dignitas c'était peut-être l'équipe qui jouait le mieux à Hammer? Et je t'avais dit. Tu sais, ils ont des compos absolument horribles. Parce que là, la Hammer elle est free, hein. C'est impressionnant. Elle est dans son petit fauteuil. Hein. Là, il y a Tyrell qui augmente la vitesse d'attaque. Elle est très bien draft. Ah, c'est noblesse. Hein. Attention, par contre, c'est pas mal sur Reset. Ah, le souffle de fou de la Sancti qui ne touchera pas Reset. Au moins, il n'y a pas de Sancti. Non, c'est pas mal. Hein. C'est Isma, attention, Eternal. Le route qui passe d'Eternal. Est-ce qu'on pourrait sécuriser un kill sur Reach avant la fin? Il n'y a pas de Sancti. Il faut prendre le kill maintenant. Ça passe pas. Ça ne passe pas pour les Européens. Et les ghouls. Les ghouls qui reviennent au même moment, Malia. Ah, attention, le slow, c'est pas terminé. Sportby qui va devoir sacrifier. Ah, il va falloir vite passer de cette game. Hein. Côté Liquid et penser à la troisième parce que là. Ok, on est sur la map du comeback, mais là. J'ai un peu le sentiment que Liquid n'y arrive pas. Il n'y avait pas les ghouls, ça s'est joué à 5 secondes. Hein. Avec les ghouls ici, c'était une teamfight gagnée justement pour Liquid. Ouais, mais on n'a pas eu le burst nécessaire pour tuer Hammer alors qu'il n'y avait pas de Sancti. C'était la meilleure situation possible pour aller tuer cet Hammer et on a raté côté Liquid. Ouais, et là, deux niveaux d'avance, 19 points de vie sur le corps de Liquid. Le 4-bot qui est toujours en faveur de Genji. Et le contrôle de la botlane, bien sûr, Malga. Très important sur Tower of Doom, puisque là, on voit les deux camps de sapeurs qui vont faire des shots sur le corps de Liquid s'ils arrivent à passer justement jusqu'au wall adverse. C'est ça, ils passent la position à cette ligne rouge que vous voyez sur Arcaner, la purge de claquer très tôt. Et la Terre Sainte, hein. La Terre Sainte de TSI qu'on voit un peu moins ces derniers temps. Mais ici, la protection tellement importante, la garde de position. Oh là là, ils ont réussi à défendre. Vie. Ils ont réussi à défendre Nurak. Oh, Nurak qui tombe. La purif, Rich qui est au milieu des Liquid. Et on peut pas le punir, la flèche est superbe. Il pourrait même aller chercher un kill. Ah, oh, c'est dur de voir ça. Liquid, la tête sous l'eau. Et Genji qui continue de les repousser. Eternal qui s'en est sorti à rien du tout. Et Rizet qui fait une game avec son Hanzo aussi. Arich aussi, hein, mais il a tellement de quoi s'exprimer ici avec justement le niveau 7 de Tyrell, les shields de Tyrell, le niveau 4 aussi de Tyrell. Hein. Enfin, il est vraiment trop bien ici, Rich. C'est très très dur de l'inquiéter. Vitesse d'attaque, vitesse de déplacement, purge de Tyrande, purge aussi Tyrell au niveau 4 plus boost speed, la vulnérabilité, les stuns, il a tout pour s'exprimer. Et même justement aussi la Terre Sainte et sanctification de Tyrael. C'est dur pour Liquid, c'est vraiment dur parce qu'on les sent impuissants, j'ai l'impression. Terre, on les sent impuissants sur cette partie. Attention Azu. Il a du mal avec Central aussi malheureusement. Le route qui est passé, on a claqué une tranquille très tôt côté Nurok. Ah mais il y a trop de poke, hein. Depuis tout à l'heure il gagne sur le poke, c'est monstrueux. Hammer fait trop de dégâts. On le voit à chaque fois, TST il fait que de spammer justement ses E, hein. Donc c'est quoi déjà le duo? La vindicte instantanée, le niveau 7. Ah, le niveau 7, enfin, c'est le châtiment, ouais, sinon c'est le sort. Ouais, il fait que de châtiment Rich tout le temps. Et Rich il rentre beaucoup trop de dégâts. C'est. Non, c'est dans ce genre de game que j'aime beaucoup le rework Hammer. Hein. C'est. Non, vraiment intéressant. Bah après, il joue bien. Ouais, bien sûr. Il joue vraiment bien autour. Hein. Joue très bien. Mais t'as ce côté. Les joueurs de Warcraft 3 diront lame. Ce côté dégoûtant. Je dirais, attention Sport Billy.
On va reculer. Sport Billy qui a pris très très cher. Oh là là, et on n'a pas la tranquille du côté de Malfurion. Oh, la flèche qui va faire mal à Purge Heaven. Du côté de Nurok, le bon route d'Azu. Ça, c'est un bon route par contre. Bien défendu par Kyosha et TST. Encore un stun de réussi par Sake. On est annulé le boss hein, côté Genji, c'était le but. Parce que là il y a toujours le contrôle bot avec les sapeurs qui vont être envoyés. Niveau 16 à 13, 3 niveaux d'écart, toujours le fort bot, les sapeurs qui vont être envoyés. Et 33 points de vie à 11. Les Liquid, je sais pas comment ils vont revenir dans cette partie. Après, sur Volskaya, ils étaient vraiment au fond aussi. Hein. Ils étaient vraiment au fond. Ah mais tu voyais qu'ils pouvaient faire des trucs. Ouais ouais. Là, même tu vois, t'as pas la fracture, t'as pas... Parce que tu vois, on pourrait dire, c'est bête, mais une Apocalypse, une Dragosa, des trucs comme ça pour essayer de... Le combo du bled pour essayer de faire quelque chose. Et là, oh là là, TST qui zone très très haut, 3 sapeurs qui passent. Et maintenant triple hôtel plus 3 autres sapeurs plus un éventuel boss. Ça sent la game hein. Parce que là c'est juste sapeur plus 1 point et t'as déjà gagné. Et t'as le boss comme tu dis si jamais. Là c'est compliqué pour les Liquid. Generation Gaming en position, les 3 sapeurs passent. Donc voilà, 3 nouveaux tirs, vous le voyez sur la mini carte en bas à droite. 5 PV pour les Liquid, il suffit d'un seul hôtel tag. Donc ils sont obligés d'être zonés très haut, Eternal. Les ghouls tout de suite, sanctification les belles. Super stun de reset encore une fois. Et derrière la Terre Sainte pour condamner Azuops. Ce tir à elle de TST aura eu un tel impact. Et Azu pourra rien faire. On était obligé d'être agressif parce que c'est un seul hôtel. GG Genji qui va tout simplement égaliser dans ce BO5 sous les applaudissements du public américain évidemment. Ah non, forcément Genji, là on sent, là on voit la grande force de noblesse aussi hein. Ce draft très très bien exécuté de la part des Coréens. Ouais, on a voulu récupérer Arthas très rapidement côté Liquid et finalement ça a coûté cher parce qu'on avait plus cette flexibilité dans le draft justement pour revenir Malga. Ouais, et ce Tyrell aura eu un énorme impact hein. Ce Tyrell, j'allais mettre MVP en plus. T'allais mettre TST MVP, ouais, parce que je pense. Il a vraiment bien joué au tour d'Hammer. C'est lui qui permet justement à Reach de mettre autant de dégâts à la Sancti pour sécuriser Reach. Même les Terres Saintes. Même les Terres Saintes, hein, elles étaient très pertinentes à chaque fois. Mm-hmm. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. TST qui a fait une très bonne game. J'aurais mis Reset, tu vois, avec son Hanzo aussi. Toutes ces flèches exceptionnelles. Ouais, mais non, mais je pense pour moi c'est Reach. Dans le plan de jeu aussi, TST avait un impact non négligeable, clairement. C'est ça. Pour moi, c'était Reach ou Tyrell. En fait, les deux marchaient ensemble. Enfin de Liquid sur Generation Gaming. Et là c'est une carte qui m'intéresse aussi. Ce qui hier, ça a été la carte du comeback pour les Liquid. Comté du dragon à jouer pour cette troisième game. Dragon Shire de récupérer pour les Genji hein. Enfin les Genji ont pris cette carte. Alors que hier on a vu des Vikings qui ont fait un massacre justement. Alors j'ai hâte de voir ce qu'ils vont récupérer surtout en top lane hein, sur le top laner. Et parce un ban Viking peut-être aussi hein. Bah ça dépend. Quel top laner tu veux récupérer, parce que faut pas l'oublier aussi hein, c'était un Blaze l'autre fois justement, il n'arrivait pas forcément à gérer tous les points. En tout cas Rexar en Riot. Eternal pourrait le jouer hein, remarque. Kyosha je sais pas trop. Bon, il s'est tout joué Kyosha donc pourquoi pas. En tout cas Hammer qui a été instantanément ban par les Liquid. Les bans changent beaucoup côté Liquid hein. D'habitude c'est souvent les mêmes et là on s'adapte très vite justement à Genji. De toute façon on est dans des BO où t'es forcé de t'adapter. Tu es forcé de t'adapter. Voilà le Tyrant, ça c'est important. Ça c'est clair. La Tyrant fait très mal dans ses, justement dans ses Worlds. La Tyrant fait extrêmement mal, Malga. Elle a perdu sur Volskaya, mais c'est vrai que. Bah, elle est toujours sur du 70% win rate. Hein. Donc c'est énorme hein, pour un perso qui apparaît dans tous les drafts à l'heure actuelle. Il y a une game où elle n'a pas apparu. Ouais, non, c'est sûr que Tyrant très impactante. On va voir comment ça va être fait. La petite pancarte. Pancarte excellente. Genji ou Jin Easy. On espère que ce sera plutôt Liquid Easy. En tout cas, Tyrant qui avait été récupéré en premier lieu. Oh, une Lemming très tôt. Côté Liquid et un Anubarak qui n'a pas encore été contesté dans cette série.
Anub de récupérer pour Sport Billy. Et du coup, Liming pour Arcaneur, très probablement. Oui, non, c'est sûr. Arcaneur qui joue énormément de Tracer. Et Liming, justement, il joue ses deux héros. Et Azuops, on le voit plus sur du Phoenix, du Raynor, du Thrall aussi. De Lamer, pardon, de la Jaina, j'allais dire. Oh, alors qu'on. Il y a eu un souci peut-être d'Ops, je pense. Ban'Guldan. Petit changement de draft. Ban'Guldan du côté de. J'ai l'impression qu'il y avait eu un petit souci technique pour ça. Mais du coup, Gul'dan de Ban, côté Generation Gaming, TR. Oh. Et le Diablo de retirer. Mais attends, c'est bizarre ça. Ils bannent Gul'dan alors qu'il y avait déjà les Ming des récupérés. Ils avaient peur d'un double mage. Ils ont peur de quoi là? Ban Gul'dan, il est très étrange. Un double quand même. Mage, ça, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà ouais, arrivé. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, contre de la mer, des trucs comme ça, ok. Mais je suis très étonné. Très étonné de ce Ban Gul'dan. Il y a eu des scrims. Hein. C'est vrai. Il y a eu des scrims donc. Karazim Tyrael de récupérer par les Generation Gaming. Alors là, il prépare quoi là? Il nous prépare quoi? Parce que Karazim Tyrael, ensemble, très fort dans le dive. En protection, c'est pas forcément mauvais. Le petit souci, c'est la sustain. Mais il y a Tyrael Irel pour épauler un petit peu Karazim. Et Genji hein, avec Phoenix, j'ai hâte de voir le carry. J'ai hâte de voir le dernier carry joué par Generation Gaming. C'est vrai que ce Gul'dan, c'est très bizarre. C'est un ban. À mon avis, ils ont fait des choses depuis dans Scream qui ont fait très mal avec du double mage. Peut-être. Hein. On lock quelqu'un, probablement avec le Fear, le Cocon, Burst Steaming, Burst Tyrann. Oh, et ce sera un Alarak. Pour Generation Gaming, Liquid qui est parti sur Raynor DHK. Alarak, du coup pour Rich qui est très friand justement du haut seigneur des Tal'Darim, le Protoss. Alarak, hein, très fort, que ce soit pour Poke avec ses arcs électriques, mais également le combo avec le silence qui fait très mal, hein, gros burst chez le Protoss. Ouais, Rich évidemment est connu pour son Alarak, alors je sais même pas s'il a perdu avec. Hein. Je crois qu'il est. Il est invaincu avec. Hein. Je me demande s'il a pas. Ça se trouve, il a jamais perdu avec Alarak. Hein. C'est possible. Hein. Parce qu'il le sort pas souvent. Donc ouais, il le sort pas souvent, mais quand il le sort, il fait mal. Ouais, donc. Mais c'est la première fois que je le vois sur Comté Dragon. D'habitude, c'est Volskaya, BOE. Et il y a probablement une troisième carte, peut-être, où on l'a vu. Mais c'est vrai que Comté Dragon, je crois que c'est la première fois. Voilà, c'est Sanctuaires Infernaux. Alors que Comté du Dragon, je crois que c'est la première fois que je vois Rich proposer un Alarak. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, en face, il y a Liming, Raynor. Anub, on va quand même avoir un draft super agressif, je pense, côté Genji, parce que Alarak est pas si safe que ça. Hein. Peut-être qu'on va jouer Palm côté Karazim aussi, c'est possible. Peut-être. Après, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. On a eu de la paume qui a été très bien. Ouais, très bien utilisé. C'était Dignitas aussi. Il se regarde, hein. Ouais, se regarde beaucoup. Non, on va voir, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir comment va se dérouler cette game avec Alarak. Alarak, c'est un des héros. Moi, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte justement de sa force. On n'en voit pas souvent. Généralement, moi, quand j'en vois dans mes games, ça se passe pas très bien. Putain, un grand joueur d'Alarak aussi. Ah bah, bien sûr, Malga. Mais Rich, c'est vrai qu'il gagne tout le temps avec Alarak. Ouais, et puis, non, mais moi, c'est surtout la carte. C'est dommage, c'est qu'au MSB, on avait presque un 100% de win rate sur Alarak. André s'est mêlé. André voulait défier Rich. Hélas, ce n'est pas passé. Parce qu'il y a LLK aussi, qui est un grand joueur chinois. De Beyond the Game qui a été éliminé lors des phases de groupe et qui est un gros joueur d'Alarak aussi. D'ailleurs, qui a été le. Parce que Rich, on le connaissait en solo queue, mais il avait jamais vraiment beaucoup joué Alarak en pro. Et au final, c'est LLK, le joueur chinois, qui a vraiment démocratisé le Alarak. Et derrière, il s'est dit bon, vas-y, ils ont tenté, allez, moi je vais faire la même. Et c'est passé depuis. Mais maintenant, c'est surtout moi vraiment, j'ai beaucoup de questions, c'est la carte. Comté du Dragon, c'est probablement, je crois, la première fois que je vais voir un Alarak dessus. Donc, non, c'est... ça va être très intéressant de voir comment il va être exécuté. Pas de Viking cette fois. Alors qu'hier, on avait une belle surprise de la part des Liquid. Et j'espère que dans cette série, on aura des surprises, malgré justement avec les drafts de Liquid. Parce que pour l'instant, on reste sur des drafts très standards. En tout cas, on est parti entre Generation Gaming et Liquid. Un partout pour le moment entre les deux équipes. Rich que l'on retrouvera sur Alarak, Rizet sur Phoenix, TST sur son Tyrael fétiche, Kyosha sur Irel et enfin Sake sur son Karazim. Et du côté des teams Liquid, on aura Arcaneur sur Liming, Eternal sur le Woobozor, sur DHK bien sûr, Sport Billy sur Anubarak, Nurok sur Tyrann et enfin Azuops sur Raynor. Mais Eternal est très fort sur DHK, il a son propre nom de dino, hein. L'Eternosaur, hein, tout L'Eternosaur. Simplement. L'Eternosaur, tellement il est chaud et on l'entend, le public qui se fait entendre, qui a un parti pris évident hein, pour Liquid. En même temps, t'as deux raisons de supporter Liquid. Allez les Occidentaux, déjà.
que là c'est vraiment la volonté des Américains. Et de l'autre côté, Liquid a battu Heroes Earth. Donc si Liquid bat Genji, tu te dis bon voilà, Heroes Earth a perdu contre Liquid, mais ils vont en finale. Ça soulage un petit peu. Attention, le silence d'Alara qui a fait très mal. Attention, Nurok. C'est quand même une grande rivalité entre l'Occident et la Corée. C'est presque, j'ai envie de dire, tout le monde est pour l'ennemi du Coréen, presque. Surtout quand c'est Generation Gaming qui est archi favori. T'as envie. Non, c'est sûr. Parce que voilà, normalement, sur le papier, c'est GNG Dignitas en finale. Bien sûr, ça fait un bon bout de temps qu'on a envie de voir ce match. C'est, ça, depuis même 6 mois. Le Gold Club. Ouais, depuis non, Gold Club, en fait. T'as raison. Ça va faire un an. Ça fait un an qu'on a envie de voir un petit peu ce duel. Et là, maintenant, il reste justement plus qu'un adversaire, hein. Plus qu'un mur pour les Genji, justement, avant d'arriver dans cette finale très attendue, même si on a... Bon, évidemment, il y a encore Dignitas après. Évidemment, c'est pas fini hein, pour Genji. Ce BO est loin d'être terminé, même si c'est vrai que la game d'avant a été dominée de la tête et des épaules par les Genji. Maintenant, en termes de talent niveau 1 côté Generation Gaming, la Somobile pour Alarak, pas de synergie d'attaque, point d'acier pour Karazim, bon ça c'est du classique, l'arc électrique, hein, le build E d'Alarak, justice universelle pour tirer, et les autos hein, côté Kyosha, la leçon de Marad. Oh, et on arrive à 4, attention Eternal, ça va tenir pour Eternal. Joli coup de langue, est-ce qu'on pourra en faire quelque chose? Tiesti, attention quand même, Tiesti, manquait pas grand chose. Ah, Zoops qui aurait peut-être pu... être un poil plus agressif. Après il s'était en 2v4. Ah il a eu peur. Mais je pense il s'attendait peut-être pas à ce qu'il prenne autant de coups de tour hein, parce que là il a pris au moins 6-7 coups de tour. Eternal qui abandonne la top lane. Ah il a tenté Bah après ils veulent contrôler le dragon, il n'y a plus personne sur la mid lane. Rich. Attention le stun qui est passé. Ah mais c'est dangereux parce qu'il y a encore le hard qui push top. Ouais mais voilà, en infériorité c'est pas évident aussi d'aller des push le camp. Et puis surtout, il voulait contrôler le dragon aussi. Hein. Parce que là, sur une rotation, Genji pouvait prendre le dragon. Ça va décaler. Peut-être on sur a Izzet. Un combo énorme côté Liquid aussi. Hein. Là, on voit justement Tyran, Nanub et Liming côte à côte. Mmh. Et il faut savoir que si les stuns passent avec le combo de Liming et la marque de Tyran, bah, ça one-shot quasiment tout le monde. Ce qui me fait peur, c'est que les rotas de Genji pour le moment sont excellentes. Hein. Ouais, on a fait le choix d'accompagner le hard camp. La force de Karazim aussi. Hein. Clairement, très mobile hein, sur cette carte. Tu aimes beaucoup Kara sur Contre Ether. Ouais, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs supports cette carte. Ça te permet de contrôler la map. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de gank. Les camps fait très vite. Et voilà, une capacité. Hein, la capacité de faire les camps assez rapidement. Et surtout, c'est un support qu'il fait. Hein. Donc, et même ça permet tours aussi, hein. Au carry d'être toujours présent sur les lanes. Il fait très mal sur les embuscades, sur les guérillas, sur les, tu le disais, sur les décales, sur les camps, sur la gestion des bâtiments. On l'a vu là avec le hardcore, il a pu accompagner très très bien. Excellent Karazim. Et au passage, le slow. Oh, le coup de langue d'Eternal est joli. Le stun qui passe. Ah, mais là c'est un dragon hein. Et ça devrait être un premier drake effectivement pour Saké. Ah, et on ne pourra pas le contester malheureusement pour les Liquid sur cette voie du bas. Ah, ça va faire mal. Les dragons en early sont. Attention Raynor, ils vont dive top. Le in demi par Izzet, Azu qui tient. Là il y a le dinosaure. C'est bien ça. Et bien joué Eternosaur qui vient mettre le coup de langue. Bonne protection des Liquid. Ouais, mais le dragon va faire mal malgré. Il fait très mal quand même au début puisqu'il peut récupérer généralement 3 jusqu'à 4 tours plus ou moins. Donc ça donne généralement une belle avance d'XP. Ouais, c'est bien Arcaneur. Très très joli saut. La petite téléportation au moment où le dragon va le toucher. Ce qui fait qu'on perd du temps. Kyosha qui est pas bien. Oh Kyosha, attention sur la top lane. Kyosha qui va s'en sortir. Et pendant ce temps par contre c'est Azu qui va tomber. Azu Ops qui tombe. Est-ce qu'on pourrait prendre une re-engage? C'est pas mal. L'arrivée de Sporbully qui vient peut-être condamner le Tyrell. Kyosha aussi. Kyosha. Ah, c'est Sporbully qui l'attend à la sortie. Ah, il a plus rien. Arcaneur qui a décidé d'aller sur Phoenix. C'est un peu dommage, il aurait peut-être pu justement tuer Kyosha avec sa Liming. C'est déjà un fort de récupérer pour Genji plus le wall sur la top lane. Le dragon qui aura fait très mal. Un niveau d'avance pour Genji. Après, il avait tout ouvert avant le dragon. Sur la top lane. Pas mid lane. Du coup, il a pris un fort entier. Ouais, mid lane, le dragon. C'est juste qu'on a mis de la pression top en même temps pour que le dragon puisse s'exprimer sur la mid lane. Mais il faut pas l'oublier, Dragon Slayer c'est quand même une map très late game Malga. On va aller très probablement au-delà du niveau 16. Et la compo Liquid est pas mal hein, mine de rien en late game. Mais rien que le niveau 10, hein. L'aliénation de DAK, le cocon, on a beaucoup de choses hein, pour séparer un petit peu la composition de Genji. Tu bloques par exemple une Sancti Tyrell avec un cocon d'Anubarak avant qu'il puisse Sancti. Tu peux sécuriser un kill rapidement avec ta compo côté Liquid. Attention, bon, Rich qui prend à 50% PV.
Ah, attention, on a eu peur. On a eu peur, très grosse pression hein, mise par, par les Genji et du coup le camp qui aura pas fait grand chose. Oh, Arcaneur passe quand même pas mal de dégâts sur cette petite tour. C'est probablement un spécialiste pour faire autant de dégâts au bâtiment. Ouais, je pense qu'il... Oui, c'est sûr. Et il fut un temps, les Ming faisaient 50% de dégâts plus hein, sur les tours. Parce que tout le monde se rappelle de l'S of Johan, l'S de Johan pour paquer tout le monde avec l'orbe. Mais personne se souvient que les missiles faisaient 50% de dégâts supplémentaires aux tourelles. Moi je m'en rappelle. Hein, moi, pour... Mais tout était trop fort. Mais moi je trouvais les mix c'était plus OP que l'orbe qui paquait parce que c'était insane. Tout est trop fort. En early, les tours à. Non, l'orbe qui paquait c'était vraiment trop fort. Oui, bien sûr, c'était très fort. Parce qu'en fait, ça ramenait les gens dans le Q-spell. Ça garantissait ton Q-spell. C'est pour ça que c'était vraiment, vraiment évidemment super fort. Mais rappelle-toi en plus, à l'époque, les tourelles donnaient encore plus XP. Maintenant elles donnent moins. Mais à l'époque, les Ming niveau 1, tu prenais les deux tours en fait quasiment. Mais c'est clair que Liming à la sortie c'était un petit peu fort. Le problème c'est que t'avais les deux à la fois en fait. Ouais voilà ça, t'avais les deux en même temps en plus. Alors en tout cas, niveau d'ici est là pour Liquid, Eclipse des Lunes, Cocon, Onde de Choc, Raynor qui hésite, Banshee ou Hyperion et Aliénation pour DAK. Et ça sera l'Hyperion d'ailleurs, ça sera l'Hyperion. D'ailleurs du côté de Genji on l'a pas dit mais Ardan Défenseur, Salve de Purification, 7 frappes, Contre-Attaque et Sanctification. Ouais pas de paume du coup. Non pas de paume. Seven Strike. Qui pourra faire très mal à Nubarak, faut pas l'oublier. Ça peut faire extrêmement mal à Nub si c'est une erreur de positionnement. Surtout qu'il veut win, hein. C'est ça. Il va win à Nub. Hein. Probablement pour trouver les engages. Au passage, niveau 4, seul barbelé hein, pour Anub. Donc qui peut slow, qui peut ralentir. C'est pas fort contre Alarak. Parce qu'Alarak il a peu de mobilité. Mais c'est vrai que sinon on a beaucoup de mobilité. Donc pour essayer peut-être de calmer, mais. Étonnant. Seul barbelé on l'utilise très souvent pour des combos. Oh, ouais, mais sur Alarak. Les deux autres 4 ici sont pas forcément fous non plus. Ah, ils veulent récupérer, ils veulent récupérer. Attention à la sortie quand même. Ouais, là, il assure sur Phoenix, on chope à l'Arak. Alarak qui peut se repositionner peut-être. Aller sur Izzet maintenant, l'Hyperion. Deux claqués par les Liquid, on veut clairement ouvrir cette bot lane. Très belle défense. Très belle défense de Genji. On a tout mis hein, côté Liquid. Tous les ultimes ont été claqués. Après, ce qui est bien, c'est que Hyperion plus. L'Hyperion a été lancé aussi pour finir les structures. Et on prend, on ouvre la bot lane hein, côté Liquid et on reprend le contrôle. Alors par contre le problème c'est qu'ils n'ont pas le Sanctuaire top mais ils vont faire une rotate. Ils vont rotate top parce que sinon ça aurait pu être un Drake hein, pour Genji. C'est pour ça qu'ils ont forcé aussi ardemment je dirais sur la voie du bas. Ah, le seul barbelé va détag aussi, ça c'est très important. Il va bien détag le seul barbelé. Par contre la chouette un petit peu dommage. Alors, attention, de Nurok. Parce que Irel a temporisé. Eh oui, okay. Ah là là. Et la chouette de Nurok qui était mise alors que le seul barbelé était toujours actif. Ah là oui, ouais, on s'est raté. Ils sont tous remontés top, les Liquid. Et la, la chouette de Nurok ils auraient tellement pu temporiser. Mais oui. Il y avait le seul barbelé qui permet de détag aussi le niveau 4. Et la chouette pendant le seul barbelé. Ah c'est dommage. Alors heureusement, bête, hein. Heureusement que là par contre on est dans un timing de dragon qui est pas très fort. Donc, ouais, heureusement vrai. Ça pour Liquid. Surtout que t'as Raynor Lemming, donc pour des push ça reste suffisamment fort. T'as même Tyran justement ouais, voilà, qui vient de passer la marque. Oh joli joli cancel sur Kyosha. Ah, ils sont 5, hein. Ils sont 5 sur la bot lane et Genji. Après ce qui est bien c'est que DAK éponge 2 lanes en même temps en termes d'XP. Ce qui fait qu'on est 4 côté Liquid à l'arrivée d'Eternal. On a tout de suite TP, c'est pas mal le cocon sur Tyrael. À la sortie peut-être. Le bien joué, le silence de Reach pour protéger Eternal, la salle de purification qui va partir. On s'en fout, attention Eternal à la sortie quand même. Eternal, ça tient, sanctification de mise. Oh le même du dragon. C'est pas mal pour Liquid hein. Alors, le coup de langue qui passera pas, l'Hyperion de claquer. Un joli A de la part d'Anub. Ah, il a hésité, Anub. Il a hésité. Il a hésité, mais attention. Oh, les 7 frappes. Tension psionique, plus 7 frappes de Karazim qui font mal à Zu. Qui va tomber. Sport Billy qui a beaucoup hésité là-dessus. Il a vu une opportunité, il l'a annulé. Mais ça a laissé une, enfin, tout simplement une fenêtre d'engage au Genji. Ça, c'est extrêmement dur. Parce que c'était pas mal ce qu'avait fait Liquid. Ils avaient claqué beaucoup d'ultime et Genji pour prendre aucun kill. C'était vraiment pas mal. Et derrière, c'est vrai que Sport Billy. Ah, il a fait une erreur. On l'a vu, il s'est dit là. Ah mais, non, en fait, non. Et... D'ailleurs, Sport Billy, c'est un des problèmes qu'il a aussi. C'est il n'est pas si flex que ça. En tant qu'il n'est pas si flex que ça, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur Dabio, beaucoup sur Garrosh. Et c'est vrai que sur Anub, moi je le trouve pas forcément fou généralement. Ah, pour le moment, ça allait. Mais c'est vrai que je suis très content de la, des Worlds de Sport Billy. Et là, sur, cette, bah, sur ce move. Même les cocons pour l'instant sont pas forcément. C'est vrai qu'ils sont pas forcément. Ils sont pas forcément fous. Mais c'est pas pour rien qu'on le voit énormément sur Diablo Garrosh. Hein. Attention, Eternal, il va mourir là-dessus. Il devrait mourir. L'enfouissement, les 7 frappes qui vont être mises. Superbe de la part de Generation Gaming. Et du coup, on s'assure le fort côté Genji pour avoir un petit peu plus d'avance en XP. Voilà. La domination quand même. Là, c'est.
ils étaient quasiment revenus à égalité les Liquid. Et là sur ce move, sur cette rotation, c'est là qu'on voit, ils sont pas triple champions du monde pour rien hein, les mecs. Sur cette rotation ils viennent de prendre quasiment deux niveaux d'avance là-dessus. Deux niveaux, deux kills. C'est impressionnant. C'est impressionnant côté Gen.G. 3 kills au final qu'ils ont aussi récupéré Raynor. Ah oui c'est vrai que j'avais oublié le kill sur Azure, c'est vrai. Mais là, heureusement que c'est Dragonshire, il y a encore l'espoir pour les Queens. Parce que là voilà, même avec ces deux niveaux d'avance, pour l'instant ils ne peuvent pas forcément forcer quelque chose. On va essayer de récupérer un dragon hein, côté Gen.G. Alors pas de move speed du côté de Sake sur son 13. C'est peut-être parce qu'il est avec Tyrell qui est parti Vindict, donc c'est vrai que tu peux pas cumuler la move speed, hein. Tu peux pas cumuler la vitesse de déplacement améliorée, donc peut-être qu'ici il a préféré plus de burst hein, avec son E. T'as vu comment il a récupéré le globe? Ouais. Il chope, il repart, prend pas de risque parce qu'il sait qu'il y a du monde potentiellement dans ce fourré, voilà. C'est check, parti ST. Qui est parti trou de verre avec son Tyrell d'ailleurs. Voilà, hop, il check, il revient. C'est le trou de verre, on l'appelle trou de verre, hein. Faudra que... un de ces quatre faudra quand même que je me note le nom du talent. Mais c'est le trou de verre en fait de Tyrell, hein. Un petit peu à l'image de Zeratul. C'est le plus protos des... oh, Tiesti qui était slow. Il y a des AK qui arrivent. On est 5, attention il y a le hardcamp qui push top hein, côté Gen.G. On a voulu essayer d'engage avant le 16, Azu, hop. L'armure, ça tient pour Azu, ça tient pour Azu. Mais Azu qui va mourir sur les 7 frappes. Il va mourir sur les 7 frappes, encore une fois un Karazim coréen très très efficace. Attention à Zof, là, il s'est fait surprendre par le combo de Rich. Et en plus, Irel n'était pas encore là. Mais il voulait engage, là, il voulait engage avant le 16. Il voulait engage avant le 16 les Liquid, mais ils n'ont pas vu de fenêtre. Là, c'est terrible parce qu'il y a le hardcamp sur la top end qui doit être dépouché par les Liquid. Du coup, c'est un dragon gratuit pour Gen.G. Et maintenant, 14. On va siège sur la botlane avec un talent d'avance et le Easy Camp aussi. C'était un créneau, je pense que c'est pour ça qu'Azu était avancé aussi. Il voulait forcer le fight. Il voulait clairement le fight avant que le 16 tombe. Et finalement, Sportbilly, peut-être tu sais que ce raté bot est resté dans les esprits, il ose pas. Et du coup, personne a cherché à. On a même vu des AK qui arrivaient, mais pour rien. On a senti l'envie de faire quelque chose, mais finalement, un peu timoré. Les Liquid là-dessus. Et Gen.G qui va assiéger ce T2. Et peut-être même plus, hein. Peut-être même plus. Hein. 17 contre 14. Enfin, 17 contre 15. On a toujours pas le talent 16 côté Liquid. C'est pas si évident non plus de siéger encore à ce stade-là de la partie. T2 sécurisé. Voilà, on va pas prendre plus, on va aller sur la mid lane, on va essayer de poker le wall mid. Le 16 en et tout à cas. Et Alarak, qui a pas tant d'impact que ça, c'est juste qu'il met des combos au bon timing à chaque fois. En fait, il punit bien. Et le gros combo, on parlait souvent de Malfurion. Enfin, Malfurion à Alarak, parce que justement, tu as attention psionique dans le route de Malf. Mais là, avec Karazim, tu mets quelqu'un hors de pause, cette frappe, ça marche bien. Il a un rôle de peeling là, Rich, ici. C'est. Oh là là, encore une fois, voilà, punition. C'est pas forcément. Ah, bien joué, joli purif de Saki avec son 16 pour Karazim. Très gros 16 en mineur. Saki qui fait un tournoi. Ouais. Exceptionnel, hein. Exceptionnel Saki. Ne l'oublions pas, mais c'était un carry distance avant. Hein. C'était un assassin distance. Ah, c'est bien vu, c'est bien vu. Côté Liquid, alors que le 16 arrive. Mais il fait, c'est clairement un tournoi exceptionnel, hein, Saki. Maintenant le 16 va faire du bien à Team Liquid. Mais rien que pour Liming, hein. La boule à facettes, les 5 missiles plutôt que 3. Attention, oh, superbe exécution. Oh, ce one shot. Et Azu pourra pas forcément s'en sortir, il n'y a pas de move spin. Non, est-ce qu'on va pousser plus loin? Est-ce qu'on va pousser plus loin? Il y a la vindicte instantanée. DAK pourrait peut-être arriver. Ah, il va slow, tout en augmentant la vitesse de déplacement de tout le monde. Rich qui a un combo. Oh, il s'est loupé Rich. Il s'est loupé et c'est du rock par contre qui meurt là-dessus. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est bien joué. L'attention psionique qui va ramener très loin Sportbilly dans les 7 frappes. Encore une fois. Et le silence aussi quand silence Anub est très très fort aussi. Qui empêche Anub de protéger de son Z et de son E. N'oublions pas, mais s'il est silence, il peut pas avoir l'armure anti-sort. On pourrait dire Anub, c'est pas mal l'armure anti-sort contre un combo. Et non, c'était silence, maintenant t'as plus d'armure passive. Avant c'était bien Anub hein, contre Alarak. Parce que même s'il prenait le combo, il avait son armure magique passive. Maintenant non. Ouais non c'est sûr, mais même avant hein, le silence est vraiment vraiment impactant sur un Anub. Sa range en fait, la range Alarak est parfaite je trouve contre Anub. C'est pas évident parfois pour Anub de jouer contre Alarak. Je me rappelle même des Alarak qui prenaient, tu sais, le set qui rallonge le silence. Oui, Anub. Sur le arc qui est très fort d'ailleurs. Mais c'est juste que la tension psionique, elle offre énormément de choses. Hein. Tension psionique, c'est tout simplement l'amélioration de la télékinésie, le sort qui permet à Alarak de se repositionner ou d'amener quelqu'un dans son A.
pour le combo. Vous pouvez l'utiliser de deux manières, on va dire. Ils veulent encore justement one shot. C'est pas mal sur Kyosha. Il y a le bouclier anti-sort cocon sur Karazim. Kyosha, ça va tenir peut-être le Karazim à la sortie. Ah, la inertion qui passera pas d'Eternal. On a quand même claqué la sanctique au DC. C'est aussi dans cette partie qui lance des sanctis un peu. Mais un peu trop rapidement. Celle-là, il a pas de trust en fait. Enfin, il s'est dit, il voulait vraiment deny l'engage liquid. Je pensais peut-être pas qu'il y a ça. Oh, par contre, Eternal, encore une fois. Superbe travail de Rich avec son Alarak. Eternal qui tient sous la protection de Nurak. C'est pas mal. Sportbilly qui a complètement deny l'engage de Kyosha. Sportbilly qui a encore sa charge en fouille. Vas-y, hop, ce combo de Rich. Oh, il fait la différence. Et Liming qui tombe sous les arcs électriques du Alarak. Eternal qui devrait tomber aussi. Rich qui prépare la suite. Et le combo peut-être de Rich. Ah, non, il a tenté. Arcaner qui aura tenté justement Dolin. Ouais. C'est dommage que tous les quids auraient dû se retourner, je pense, avec Arcaner, parce que c'est vrai que le 20 allait tomber, c'était le seul timing. Même si justement Azov meurt, je pense qu'il faut absolument fight, sinon c'est la game. C'est ça. Et au final, par contre, là, je pense qu'on sera d'accord. Hein. Mettre Rich MVP parce qu'il aura été excellent sur cette game avec cet Alarak. Me poser des questions. Et il a fait le taf. Hein. Il a fait le taf, Rich. 2-1 pour Generation Gaming qui va s'offrir 2 balles de match, mon cher TR, dans ce BO5. Ah, tu vois, j'aurais mis Saki un MVP encore. C'est vrai qu'il a été très bon avec son Kara. Il est incroyable. Hein. Depuis hier, il est incroyable, hein, Saki. Hein. Ouais, mais sur cette game, je mets Rich. Tu vois, peut-être qu'à terme, on pourra mettre MVP du BO, Saki. Non, mais c'est vrai. Depuis tout à l'heure, il est excellent, Saki. Sur la première défaite de Genji sur Volska, il a été excellent. Moi, je l'aurais mis MVP s'ils avaient gagné. Sur la deuxième, excellent. Une nouvelle fois avec Tyrande. Et là, il vient de faire le taf. Il vient de faire le taf encore. Mais sur cette game, le Alarak a été beaucoup trop décisif, je pense, pour passer outre. Pour moi, il y a eu trop d'hésitation côté Liquid cette fois. Ouais. Et là, l'Alarak s'est trop bien exprimé. Si tu rentres pas dedans, au bout d'un moment, lui, il fait ce qu'il veut. Et là, on a senti les combos qu'on fait tellement mal à Sportbilly. C'est la com aussi. Hein. Alors, on a vu rien que le move bot, tu sais où Sportbilly hésite, il charge enfouie et finalement il annule sa charge enfouie en réappuyant sur eux pour quasiment faire une charge enfouie sur place. On a senti l'hésitation et sur la com, c'est il faut tenter. Non, tente pas. Et du coup, on hésite. Ouais, ouais, je pense aussi que les cocons n'étaient pas forcément fous. On a voulu forcer des fights, mais. Genji qui choisit Infernal Shrines. Mais dans ce BO, Malga, Liquid part quand même perdant sur toutes les maps. Hein. Depuis le début, ils ont été dominés. C'est vrai. Ils ont beau avoir gagné la première, c'était une game très difficile pour Liquid. C'était une game âpre. Hier, par contre, contre Heroes, ils nous ont montré des forces incroyables. Ouais, et surtout, c'est Vikings qui, pour l'instant, n'ont pas inquiété une seule fois les Genji puisqu'ils n'ont pas été ban. Donc, ni récupéré. C'est ça. Donc j'aimerais bien justement. Voir Liquid tenter quelque chose de plus fort que leur standard, parce que c'est vrai que pour l'instant Genji a l'air beaucoup trop fort. Mais t'es pas sur une carte de Viking, donc on va voir. C'est vrai que Valmody avait été enlevé, on aurait pu le voir sur Comté Dragon autour du destin, ça n'a pas été fait. Il restait Sky Temple comme tu évoquais tout à l'heure. En tout cas, on est parti sur Sanctuaires Inferno, map clairement coréenne. Liquid qui a voulu prendre le first pick, après ils sont pas mauvais hein, sur cette carte. Et c'est vrai que sur le papier, je mettrais quand même Genji. On voit un petit sourire de noblesse. On n'a pas les mêmes sourires et visages crispés d'après la première game. Hammer et Diablo dans le ban côté Liquid. Et on sort Maiev Genji du côté des Coréens. First pick, Tyrande pour les Liquid. Qui a beaucoup perdu dans ce BO. Elle est à une victoire pour deux défaites. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, après. Alors, c'était voilà, hier, ça reste fort. On reste sur du Genji Liquid, donc encore une fois, c'est dur à dire parce que Genji est quand même ultra favori. C'est un peu comme Dignitas hier, hein, quand il y a une Tyrande en face de Dignitas, bah ouais, c'est bien beau, mais va gagner contre Dignitas déjà.
Et là, Kerrigan Tyrael côté Liquid. On tente quelque chose déjà, une cartouche un peu plus micro. C'est vrai que Liquid on les connaît plus pour des cartouches stratégiques, des cartouches macro. Là, Kerrigan c'est clairement micro. Donc vouloir, on veut chercher les teamfights, on veut chercher les agressions. Alors, on a quand même eu pas mal de ban Kerrigan dans cette compétition évidemment. Oui, c'est vrai, sur Sanctuaire. On a eu son rework justement. Et elle a été énormément ban sur Sanctuaire. Alors on l'a vu un peu ban sur d'autres maps hein, aussi, hein, par exemple Spider Queen. Voilà, paru aussi une fois. Mais en termes de win rate, elle est légèrement positive. Hein, elle est sur du 54%. Mais c'est vrai que dans les top, hein, les top teams, généralement, dans les gros matchs très importants, on n'a pas trop vu encore d'excellentes Kerrigan. Et c'est vrai que maintenant, on est dans le carré final. Donc, on va voir ce que va faire Liquid avec ça. D'ailleurs, qui va jouer cette... oh, Eternal, peut-être ? Eternal a une excellente Kerrigan. Mais le problème, c'est... c'est Arcaneur. Ça serait bah plus oui, Arcaneur maintenant en triple tank, enfin en triple mêlée. Alors Johanna Maltel pour les Generation Gaming. Johanna un tank très très résistant qui peut bloquer Kerrigan. Et d'ailleurs Johanna 85% de victoire. Alors elle n'a pas été énormément récupérée. Ouais, pas beaucoup joué. Hein. 7 parties, mais quand même. Hein, elle a perdu qu'une seule game pour l'instant. Clairement. J'adore les petites pancartes. Elles sont exemple. Bon, tout à l'heure il y a quand même quelqu'un de confiant. Voilà, le first pick Murky. Déjà avoir un Murky c'est beau. First pick Murky, faut pas déconner. Mais en tout cas, voilà, le Gul'dan qui avait visiblement fait peur, et ça devrait être Arcaneur. Eternal devrait être sur, sur Irel. Gul'dan pour Azuops, probablement. Ouais, je vois Arcaneur sur Liming et sur Kerrigan, bah, pardon, et Azu ouais, sur Gul'dan. Je vois pas Azu sur Kerrigan, ça ouais, c'est bon, sûr. Oui, hein. Je le vois pas du tout dessus. On va voir le last pick. Oh, oh Sonia. Sonia pour Rich. Reset ou... ah non, bah non, ça va être Rich. Ça va être Rich, un ancien mêlé. Ça devrait être Rich, alors qu'on voit la petite Kerrigan. Vous allez tâter de mêler. Ah bah non, parce que ça, les lames, c'est Samurose. Mais la reine des lames, évidemment, vous pouvez la trouver sur le Gear Store. Évidemment, le GearBlizzard.com pour récupérer cette Kerrigan qui aura peut-être de l'impact, on l'espère, pour les Liquid. J'espère pour eux parce que c'est vrai que là, on tente une cartouche, on veut les teamfights. Attends, tu penses quoi de cette Sonia? On est sur une de ses meilleures cartes, c'est Miracle qui a beaucoup joué Sonia. Honnêtement, c'est pas évident. Il n'y a pas de cleans pour le Genji puisqu'on a des cartes Kane avec Sonia, donc c'est pas évident de s'exprimer avec Sonia ici. Et d'un autre côté, t'as une Sancti. La Sancti est très forte aussi contre Sonia puisqu'elle l'empêche de se soigner sur le tourbillon. Et t'as beaucoup de CC. T'as le Fear de Gul'dan, t'as les stuns de Tyrant, t'as les stuns de Kerrigan. Et même Irel. Donc, ouais, honnêtement, la Sonia ici, j'ai hâte de voir qui va la jouer, mais il a intérêt d'être très très chaud. Ouais, c'est clair, mais je pense que ce sera Rich parce que Kyosha. D'un autre côté, Rich veut jouer Maltel aussi à une époque. Mais Kyosha, il... c'est vrai qu'on pourrait avoir Rich sur Maltel et Kyosha sur Sonia plutôt. Ou alors il y a Reset. Non, je crois pas. Je pense pas Reset sur Hanzo, je pense. Même s'il fut un temps, Reset Rich... jouait Melee aussi. Oui, Reset. C'est pour ça. Mais Rich joue beaucoup Hanzo aussi. Donc c'est. On va voir, hein, tout est possible Reset avec excellent avec sur tour du destin. Mais c'est là où ils sont Rich sur des cartes Kane. Saké sur... Saké sur Johanna. Non. Saké et TST, normalement, on sait. Saké devrait être sur des cartes Kane et TST sur Johanna. Mais c'est vrai que les trois autres, tout le monde peut jouer. C'est là la force, évidemment, de Genji, cette flexibilité qu'ils ont. Mais ouais, hâte de voir. Alors, on va prendre les paris. Je mettrai... Allez, je vais prendre des risques. Kyosha sur Sonia. Rich sur Maltael et Reset du coup sur Hanzo. Ouais, je pense aussi. Je pense que Kyosha sera quand même sur Sonia. On l'avait vu justement au MSB avec sa Sonia, il avait tué tout le monde à une époque. Je sais pas si tu te rappelles justement sur cette carte en plus. En tout cas, c'est parti Malga. Et du côté des Coréens, des Genji, on aura justement Rich sur le Maltael, Kyosha sur Sonia, Saké sur des cartes Kane, Reset sur Hanzo et enfin TST sur Johanna. J'espère quand même cette fois que ce sera pas comme le MSB qu'il n'arrivera pas à tuer tout le monde. En tout cas, Liquid qu'on va retrouver à droite les Européens avec Eternal sur Irel Arcaneur, sur Kerrigan, Nurok, sur la Tyrande Azuops, sur Gul'dan et enfin Sport Billy sur Tyrael. On l'a dit, hein. Let's go Liquid évidemment. Il va falloir les soutenir, les Européens qui sont tout simplement dos au mur, balle de match pour Generation Gaming dans ce BO5. Et du côté de Liquid, oh, ce niveau 1 de Tyranter, c'est tout simplement la réduction de CD sur les soins c'est vrai avec les auto-attaques
qui est augmenté parce que de base on réduit les soins avec les autos, mais là c'est on double quasiment, je crois, c'est quasiment doublé le. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais c'est vrai que ça augmente considérablement ton soin. Et c'est assez étonnant quand même parce que habituellement on voit les deux autres niveaux, on les voit énormément. Ouais, soit la purge, soit le seul bouclier anti-sort. Après, Maltel il fait des dégâts en pourcentage PV, Sonia elle a beaucoup de dégâts magiques. Il y a peu de stun en fait, c'est pas des gros stuns. Mais t'as le route de DK. T'as juste le bouclier au final de Johanna, hein, l'ultime de Johanna qui pourrait être vachement bien à cleanse, mais c'est vrai que le reste derrière. Ah, les routes de Descartes. Bah non, ah, non. Ah oui, non, le route tu peux pas, je dis oui, c'est le slow, le slow de Descartes pour éviter le route. Et l'anti-magie, bah oui, t'as des dégâts magiques, mais c'est pas non plus des bursts incroyables. Donc pourquoi pas. C'est pas mal en tout cas, on voit l'opposition Irel Sonia. Alors Irel je pense c'est meilleur en early. Par contre je pense que plus ça va avancer, plus Sonia aura d'armes aussi pour répondre. Là où j'ai peur encore c'est Sport Billy. Parce que là encore une fois, j'ai pas l'habitude de voir sur Tyrell. Je le vois beaucoup sur Garrosh, beaucoup sur Diablo. Et là encore une fois sur un Tyrell maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Je trust. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ayons confiance. Non, c'est vrai que sur Soranub il a souffert. Il a fait un bon early je trouvais, il avait fait un bon early, mais ensuite sur le mid game c'est vrai que je pense que à partir du moment où il avait fait ce raté, il y a eu une perte de confiance. De toute façon dire. Il a pas le choix là. Là il a plus le choix. Encore une clairement, fois. Clairement 2-1 pour Genji, les 3 games ont été dominés par Genji. Va falloir justement tenter pas mal de choses côté Liquid. Surtout qu'on n'a pas forcément une composition qui hot draft l'adversaire, là c'est la Kerrigan qui aura encore une fois un impact énorme ici. Et le Gul'dan, un bon Fear qui pourrait faire beaucoup de choses. Donc des cartes Kane, hein, le Fear très très fort. Oh, alors Maltel sur 4 qui est parti sur le jugement dernier. Du coup on va... Ouais mais tu vois... C'est l'augmentation de la durée du passif, enfin de la marque. Bah ouais mais ça serait souvent, ça se combine avec... comment ouais, ça... Le tourment. Voilà c'est ça, le tourment. Donc, après on a vu malgré tout des extrêmes onctions. Ouais mais c'est vrai que je suis assez surpris et puis en même temps le tourment peut peut-être être très intéressant ici aussi hein, avec Sonia pour et puis pour survivre aussi peut-être. Ouais pour le côté survie. Plus de survie avec la self cleanse au 13. Et créer des espaces pour Sonia. On va voir en tout cas. Allez directement les flèches explosives, attention quand même. Oh le combo de Kerrigan qui ne passe pas, on s'est loupé. Dommage parce que Kyosha est pris très très cher, TST aussi. Stun de Murok raté, stun de Arcana raté. Ah par contre Reset hein, qui vole tellement de squelettes avec son Hanzo depuis tout à l'heure. Ouais, le niveau 4 d'Hanzo, hein, les flèches explosives. Mais après 16-16, hein, on est serré pour le moment en termes de squelettes. Et si les stuns connectent cette fois ça pourrait être bien mieux. Rich qui est pas bien. Attention Rich, au milieu des joueurs, Rich qui a la mobilité avec son niveau 1, Rich le stun qui passe pas. Sport Billy qui essaye de tempo, ça tient du côté de Sport Billy. Arcaneur, il faut sécuriser les kills. Ah c'est dur, et Rich qui relance, il va faire très mal Rich, il faut le tuer ce Rich, il faut tuer ce Maltel, c'est fait. Mais est-ce que ça suffira parce qu'on est très très low, Kyosha. Allez Arcaneur c'est pas mal, le combo qui passe. Oh ça suffira pas. L'explosion. Oh, oh là là, Sport Billy qui emmène deux joueurs avec lui, 27-30, 1v1 entre les supports. Ah il tourne en rond. Et moi c'est tué les Ah il a steep, qu'est-ce que c'est que ça. Ah c'est jamais vu ça. Le support. Ouais mais c'est à l'avantage de Nuron qui peut lastit les squelettes justement avec ses auto-hits. Incroyable. Cette explosion de saveur. Mais alors attention c'est pas fini hein. Il y a... Voilà, ouais, si on a l'objectif côté... Côté Liquid. Côté Liquid et Sport Billy. Alors il a... le pire c'est qu'il a pas fait un super fight hein. T'as vu il a hésité pas mal de fois bah, il Sport Billy ouais, il a... Et à la fin il s'est dit bon je vais tout mettre. Et l'explosion qui a fait mal. Tellement de dégâts. Super combo d'Arcaneur hein, et pour Rich aussi mais... Ce joueur, la pression qu'il a mis. Mais là, ça il pourra pas le faire à partir du 10. Ouais, hein. Ça sera parce que là bien. Il a fait le Marlou, mais quand tu auras le Fear, ça va pas être la même. Hein. Après, s'il fait une Gold Set Prince. Oui, c'est sûr, il y aura l'incensier au 13. Attention. Allez, en tout cas, ce Dominateur. On va essayer de repartir. Rich, le combo. Là, c'est allé route. Et voilà. Il fait le Marlou. Il a été puni. Et directement, attention. Kyosha, il se retrouver inquiété, Kyosha, le kill peut-être, le kill, allez Arcaneur, c'est le moment, le combo qui passe, et oui, 2 pour 0 pour les Liquid. Et attention, hein, il se réveille les Liquid, et le Descartes Kane malgré encore une fois, hein, qui a beaucoup c'est de... nul. Non mais t'as raison, pour l'instant dans ce draft, il n'est pas forcément fort,
très très dur pour les mêlées de Genji. Et là c'est bien, on le rappelle hein, pour le... C'est vrai qu'on le connaît pas tout le temps, mais voilà, directement on donne la vision sur la fontaine, comme ça les Z peuvent taper, ils ont la portée. Et on peut récupérer la fontaine tranquillement. Ce qui est marrant, c'est que j'ai cru que le public était parti depuis deux parties. Et là, ça y est, Liquid fait des petits kills. Ils sont pour Liquid, clairement. Clairement. On l'avait dit, hein. On l'avait dit. En tout cas, ça fait plaisir. Après, Sport Billy, pour revenir sur le fight d'avant, c'est vrai qu'il a hésité, mais il a forcément forcé quand même beaucoup de choses sur lui qui ont permis à Arcaner d'être safe pendant un bon moment dans le teamfight. Ah là, le niveau 10, Maelstrom, sanctification. Non, ne me fais pas croire que tu vas jouer Reign of Destruction, c'est pas possible Azu, tu peux pas me faire ça. Et c'était peut-être ça le ban, hein. La Reign qui est juste trop forte. Ah bah bien sûr, Denis Schneider sur la Fear, évidemment, le Fear contre Descartes Kane, évidemment. C'est un must have, tu peux pas justement tu peux pas le gérer sans le Fear contre ça, c'est juste trop fort. Surtout que Reign of Destruction contre Lorenado. Et surtout que j'ai la chef hein, pour la canaliser. Gul'dan est pris pour le Fear justement. Ouais, évidemment, évidemment. Les grandes forces de Gul'dan, c'est le burst au 16 hein, avec le niveau 1 co-op qui fait tellement mal et le Fear. Tellement playmaker le Fear, tellement playmaker. Oh, ils veulent chercher la fontaine les joueurs de Liquid. Alors attention quand même, hein. Parce qu'il y a Kyocha qui trappe sur le côté. C'est vrai que la fontaine, s'il la tombe, il n'y aurait plus de sustain sur les, T1 côté Genji. Et sur la prochaine structure est top. Ouais, voilà. C'est ça. Allez, en attendant, ardent défenseur hein, pour Irel. Et côté Genji, ce sera quand même extrême onction. Pas de tourment, extrême onction, mais beaucoup de dégâts de zone sur ce Maltel. On a le tour, on a le jugement dernier au 4 et la marque qui se prête en zone. Et il prendra probablement la marque au 16 aussi. Hein. Ah, quoi que. Ouais, il y a le Memento Mori aussi sur la durée qui fait que c'est dégâts supplémentaires. Après, très souvent, le problème c'est que tu as 4 secondes, tu fais pas de dégâts. Donc, des fois, c'est juste le creuset qui est récupéré. Que Monkey adore d'ailleurs. Pardon, non mais. Lorenado, le bouclier sacré, Kuro du Berserker, Flèche du Dragon et Lorenado. Donc, qui peut être très playmaker et qui peut essayer de perturber aussi le bus que va proposer Liquid. Parce que là, c'est clairement une compo qui veut choper quelqu'un et le détruire. Lorenado peut épauler un petit peu un des joueurs de Genji. Alors, je suis quand même étonné de voir cet ulti sur Tyrann. On voit beaucoup les météores à l'heure actuelle et là, peut-être qu'avec la compo Liquid. Oh, dommage. C'est vrai qu'avec ça aurait pu faire des petits dégâts de plus. Mais là il est clairement basé sur une Tyrann sustain hein. Niveau 1 plus le 10, c'est beaucoup de soins. Attention, TSI prend la corruption. Quand on aura stack hein, et les 6 cercles plus l'affliction funeste, le niveau 16, ça fera beaucoup. Allez, en tout cas Liquid. C'est bien, c'est bien. Ouais, on a tout récupéré avec Eternal et Arcaner. Attention, on est enfermé un petit peu ici. Il y a Azu sur le flanking, toujours en menacé. On veut menacer d'un Fear peut-être, Sport Billy qui a pris quand même quelques dégâts, ça tient pour Arcaner. Comment sur Reach, le Fury ! La flèche, attention Reach qui tombe ! La sanctique qui avait été mise en plus ! Et on relance, côté Liquid, on relance, c'est bien Eternal ! Tu mets de la pression derrière. Attention Kyocha ! Kyocha, c'est peut-être une des conditions dans ce teamfight, si Kyocha le combo d'Arcaner qui passe pas sur Reset. Reset qui pourra partir, attention Eternal, là dans défenseur, Kyocha qui peut pas sustain dessus. Kyocha ! Kyocha au milieu de 3 joueurs, Kyocha ! Il faut tomber, cette Sonia c'est fait. Les Liquid qui sont devant, TST qui tombe, Reset qui va tomber, 4 pour 0, Liquid qui a peut-être la balle d'égalisation dans ce BO, Sanctuaires Inferno, incroyable Liquid. Ce draft qui est très puissant, on a eu hein, le combo ben Gul'dan, encore, hein. Et encore le Fear, normalement il était sur Maltel aussi, ouais, il y a eu le combo en même temps. C'est ça. Donc c'est quand même passé, mais ça aurait pu être encore, encore mieux. C'est ça. C'est ça. Et là, deux niveaux d'avance. Et ça, avec... c'est des infos aussi que Dick va aimer. Ah, ça dépend, si Liquid gagne, il n'aura pas besoin. Mais le Descartes en Gul'dan, Asie, hein, le Descartes en Asie c'est dur, hein. Ils n'arrivent pas forcément à bien jouer avec. Hein. Ah là, c'est dur. Hein. Mais le Gul'dan avait été ban avant. Ouais. On sent que ça fait mal, hein, Gul'dan. Et en Europe, on aime bien Gul'dan. C'est vrai. Poil qui est un excellent joueur de Gul'dan aussi. Ah dommage, le combo Eternal fait un gros taf hein, sur les backlines. On va essayer d'avoir le T2 ici côté Liquid. Sur Sport Billy qui route. Et le combo. Oh, l'Arcaner plus le Fear. Magnifique ce Fear. Kyocha, il faut tuer. Il faut tuer Kyocha, il faut tuer Kyocha, il faut tuer Kyocha. On n'a pas réussi à le tuer. Il faut aller le chercher T2, le T2 du faut coup. Il faut le T2, c'est pas grave. C'est pas grave, l'équipe, il faut absolument le T2 et partir d'ici. Oh, ce côté combo européen. Et oui. Le Fear encore Arcaner, un peu tôt. Hein. Il est à l'aise, très à l'aise sur ses héros. Combo, ah dommage, on, ouais, on a voulu bloquer. Eternal voulait juste il faut partir. C'est ça, voilà, vindicte instantanée, on repart. Dommage encore, le Fear un tout petit peu trop tôt. Parce que s'il le met un tout petit peu après, c'est le Fear aurait... Parce que là, il y avait le stun de Kirigan, on n'a pas exploité la chaîne de CC parfaitement. Si le Fear est un petit peu après que Shammer, c'est certain,
Mais dans tous les cas, c'est un T2 TR. Condition de victoire maintenant pour les Européens. Ouais, condition de victoire et surtout deux niveaux ennemis d'avance pour les Liquid. Le 13 va arriver pour Genji. Genji va probablement tenter quelque chose ici. Mais là, la composition des Genji n'arrive pas. Hein. C'est Liquid est un mur et les combos d'Arcaneur sont sublimes. Mais c'est incroyable quand même parce que c'est la map de Genji. Sanctuaires Inferno, historiquement, c'est la première map sur laquelle MVP Black à l'époque avait été champion du monde. C'est une carte asiatique, ouais, très agressive. C'est la map de Liquid aussi. Oui, non, bien sûr, mais Liquid, leur style de jeu, on l'a vu hier contre Irozer, c'est beaucoup plus macro, beaucoup plus stratégique. Et ils sont en train de gagner contre la meilleure équipe du monde. Ouais, mais en micro. Ça reste une map très team aussi. Ouais, Liquid sont forts. En fait, Liquid, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais le milieu, ils ont du mal. Le juste milieu. Alors que Genji, eux, ils sont très forts aussi dans le juste milieu. Et là, c'est vrai que Volskaya et Infernal Shrine, c'est une très bonne map aussi pour Liquid. Mais c'est vrai. Et Arcaneur aussi. Là, il est chaud aussi avec sa Kerrigan, hein. Ça joue beaucoup, mais parce que les combos des Genji, c'est pas évident. Hein. Mais il est très très bien protégé aussi, hein, parce que Sport Billy, Eternal New Rock font un taf de... Attention, par contre, Arcaneur là, ça va, le route qui passe pas. Ouais, bien joué Eternal, qui a cassé le flanking de Kyosha. On a claqué le cours du Berserker, si on arrive à repartir, ce serait bien, Eternal. C'est bien ça, les garçons. On force le CD de Kyosha, Eternal qui a complètement anticipé ce qu'allait faire Kyosha. Coach Malga, bien sûr. Allez les garçons, allez. Il m'entend. Pas du tout. Non mais c'est bien, Liquid, niveau 16 contre 14. Incroyable. Genji n'est pas... Alors certes, ça fait 3 games où ils sont au-dessus, mais c'est la première où Liquid est vraiment en train de mener la barque en fait, hein, contre Genji. Parce que même s'il y a 2-1, la première game était clairement une grande défense de Liquid et c'était surtout Genji qui avait mené. Mais là, Liquid est devant et mérite son avantage. Il faut achever l'adversaire par contre. C'est important. Là 16 contre 14. On se rappelle, hein, on se rappelle d'une époque où Genji était souvent dominé, ouais. Et personne n'arrivait justement à tomber le corps de Genji. Le MSB. C'est ça. Et là, les Liquid sont très bien partis, mais tu l'as dit, c'est pas du tout fini encore. Il y a Terre Sainte, hein, il y a Terre Sainte du côté de Sport Billy. Kyosha qui a été obligé de courir très tôt. Ouais. Arcaneur qui doit utiliser le mur. Tiesti qui a pris très très cher pendant ce temps par Asiops. Sur Tiesti qui va bien, la flèche qui touche pas du côté de Rich. La sanctie, elle est belle, le pire. Parfait, Nazu. Et cette sanctie, la Terre Sainte, il faut attraper Tiesti. Il y a le 13 de Descard. Allez, faut que ça tombe. Tiesti, ah, ça tombera pas. Ah là, il y a un call, le sanctuaire. Arrêtez, on joue le sanctuaire. Prenez. Ça, ça arrive souvent dans les situations. Alors que tu peux être à l'aise, tu peux jouer les deux, tu peux faire ça proprement. Et ils vont aller faire le hard, c'est bien ça. Il laisse Kerrigan solo justement. Là, on voit la vitesse à laquelle elle nettoie. On l'appelle la nettoyeuse dans le milieu, hein. Sarah la nettoyeuse. Tiesti qui veut gagner un peu de temps ici. Et il y a une Terre Sainte, hein. De toute façon ils pourront pas jouer le hard. C'est bien, ils prennent tout, ils leur laissent rien. Ah, ils vont. Ah, ils backspawn, il a le temps, c'est vrai qu'il a le temps, il y a encore quelques squelettes à sécuriser. Il y a même la fontaine probablement. C'est bien. Et Eternal. Attention Eternal par contre, parce qu'il a pas d'aide. Faire attention. Il y a l'ardent défenseur quand même au cas où, mais ouais, il faut pas tomber. C'est bien ce qu'il fait parce qu'il met de la pression top, il force les Genji à dépush top puisqu'il y a les catapultes plus le hard camp. Ils vont faire assez rapidement, je pense. Ils ont le temps. En plus, c'est un hard camp, c'est quand même moins grave aussi. Mais faut le faire. Ça fonce sur un corps et pas sur un T2, donc évidemment le corps fait mal au hard camp. Après, ils se séparent quand même, hein. Il reste split. Faut gérer le pool hein, aussi côté Genji sur le dominateur. Le 16 n'est pas encore pas là côté coréen. 5 secondes, il n'y a pas de fear. Attention, la Galva a été claquée très tôt. Hein. Pour pull ce dominateur. Ça y est, il y a le fear. Il y a les ultimes qui reviennent côté Liquid. L'affliction funeste. Il faut mettre tes corrupts sur le fort. Il faut mettre ta corrupt sur le fort, Azu. C'est pas sûr que ça tombe là. C'est pas sûr que ça tombe ce fort. Ce dominateur a été très très bien géré. Là, il aurait... Oh, la flèche. La flèche. Bien esquivé. Très bien esquivé par les Liquid. Attention, le fear. Fear défensif. Allez, Tiesti. La Galva. Attention, Arcaneur. On essaye. On claque pas mal de A. Hein. La corruption qui touche pas. Le combo qui est raté. Combo qui est raté. Eternal qui prend cher. Eternal qui n'a pas l'ardent défenseur qui est utilisé au dernier moment. Il se soigne bien Eternal. Mais attention à la disengage. C'est pas trop mal, mais on a... Il reste une sanctie au combo. Ah, il a été esquivé, La sanctie est pas terrible, extrême onction sur Azurop. Aïe, Kyosha, c'est bon. On tue le Baltael. Par contre Kyosha qui fait mal et qui tue derrière. Est-ce qu'on pourrait s'en sortir en 1 pour 1? C'est bien pour le moment. Rich qui a misclick son extrême onction. Heureusement. Ouais. Heureusement, ça aurait été un deuxième kill pour les Genji. Mais là, les Liquid ont tout raté dans la fight. Ils ont vraiment tout raté. Hein. Et même dans le call. Mais même dans le call. Heureusement qu'il y avait énormément de soins. Hein. Entre Tyrell et Tyrande avec son build, hein, avec énormément de sustain. On a... Et de mobilité. Et aussi les 25 d'armure aussi. Oui, de Tyrell constamment. 4.
et la mobilité de Tyrell. T'en parlais au 7, hein, vindicte instantané. Mais même, on a tout raté, que ce soit dans l'exécution du teamfight, dans la retraite et dans le call. Bah, en fait, parce qu'on a voulu forcer le fort tout en prenant un fight pour essayer de gagner la game. En fait, on voulait fight. Ah, ils voulaient gagner la game. Et du coup, on n'a pas mis les corruptions directes, on a perdu du temps en fait. Et derrière, on n'a pas pu fight. Et c'est aussi Genji qui a très bien analysé la situation. Qui a très bien défendu ce dominateur, ça c'est certain. Mais attention à ça, Liquid. Attention à ça. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a toujours que 1 T2. Mais c'est vrai que 2 T2, généralement, c'est très très dur de revenir. Tu te crées des espaces. Et Azu a toujours pas stacké. On a vu, il n'y avait que 3 cercles TR. Il n'y avait que 3 cercles. Donc il a toujours pas stacké son niveau 1. Ouais, c'est pas mal cette terre. Bien joué, Scorbilly. Bonne pression. Forcer un dé hein, sur Enzo, c'est toujours alors, très important. Est-ce que l'agilité naturelle marche sur la terre sainte de. Ça. Ça compte comme un mur du coup ah, la terre sainte de Tyrell? Non, je pense pas. Ok, ok. Mais non, je pense pas. Tu sautes au-dessus des obstacles. Tu peux tout sauter temps, au-dessus mais... du tombeau de l'Eurique, par exemple. Ouais, tombeau de l'Eurique, ça marche. J'avais retesté pour être sûr, ça marche. Le mur de Tassadar, je suis pas certain par contre. Mais ça marche sur le tombeau de l'Eurik donc. C'est étonnant parce que les 1000 flèches passent pas en plus. T'as non, pas sur le tombeau. C'est pour ça que c'est. C'est bizarre, ouais. Ouais. Mais par contre, ça passe pas avec le 20 puisqu'il y a le silence. Mais voilà, c'était. Ou alors il saute au-dessus, tu vois. Genre. Attention, Spardwini, ça tient. Corruption à côté d'Azu. Ou alors il fait du freestyle, tu vois. Il saute au-dessus du tombeau. Il fait une Lucio, tu sais, il glisse sur le mur. Mais non, ça marche pas d'ailleurs hein, pour Lucio non plus. Je préfère le dire. N'essayez pas, n'essayez pas, s'il vous plaît. Moi, je vais rentrer dans le tombeau, je vais essayer. Non, non, faites pas ça. Allez, le vainqueur est pour les Liquid. Mais attention, on l'a dit, il faut achever son adversaire. La courue, on voit seulement 3 cercles. On n'a toujours pas les 6. Hein. Qui peut faire proc la fiction funeste plusieurs fois? Le 16 de Gul'dan, tellement fort. Mais tant que t'as pas les 6 cercles, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de le faire proc. Donc là on est sur le Q-Spell Ekirian qui stack la puissance hein, jusqu'à 40% oui, je crois. Au 16. Sachant que le 7 te permet d'avoir une charge gratuite ouais. Sur chaque personne. Allez en attendant. Alors là ce qui est bien c'est que pour Genji. On a le 20, on a le 20 côté Team Liquid. Ouais, ça c'est important. Ça c'est important. 5 qui amélioré au passage, Kusha. Le cercle au passage de Kurobus. Enfin le cercle du côté démoniaque. Sur Kusha le combo. Le fire qui a été mis sur Kusha, il faut tuer Kusha. Faut tuer Kusha très vite. Ça tient pas. Eternal qui sauve peut-être même Kyosha là-dessus. Après Kyosha Airfight, hein. Kyosha Airfight, il reste Reach. Reach. La Terre Sainte, elle est pas mal de Sportbilly. Peut-être une sanctification. La sanctie, elle est belle. Sur l'extrême onction. C'est superbe cette sanctie de Sportbilly. Tiesti qui se fait détruire. Et elle est diablement importante cette sanctification, TR. Faut parce se remonter, que c'est pas peut-être fini. La game. Hein. Ils vont essayer de fight encore les Genji en 4v5 sans le niveau 20. Ils sont obligés sinon c'est la game. Ils vont devoir forcer les Coréens. Quelle sanctification de Sportbilly. Terre Sainte, c'est lui qui fait tout là-dessus. Situation horrible pour les Genji. Reach, Reach, Reach! Ah, superbe! Sportbilly qui force! Reach a passé à gauche et Eternal qui fait la diff! 5v3 à jouer pour les Européens! Attention, Arcaner! Le combo qui est raté d'Arcaner! On va tenter Kyosha qui va one shot Azu! Azu qui tombe! Arcaner qui cherche trop, reset qui s'en sort pour le moment! Kyosha milieu de 3 joueurs de Liquid! Kyosha bloqué par Sportbilly! Sportbilly sur Tyrell qui fait la différence! Faut aller sur le corps côté Liquid et normalement ça devrait être fini même si Azuob c'est mort. Reset est pas bien, Reset est mort. C'est fait. Liquid va égaliser à 2 partout. Ça qui tombe. Ah oui, 2 partout. Liquid qui va aller chercher tout simplement la balle de match pour eux aussi. Enfin là, tout est à refaire pour Genji. 2 partout, Liquid pourrait aller en grande finale. Tout va se décider dans cette ultime game de SBO5. Genji, les champions du monde en titre sont complètement pris à la gorge, TR. Ah, il faut se recouvrir. On n'est pas loin d'avoir un scénario qui se rapproche un petit peu du championnat du monde où l'Europe avait gagné. On avait une finale 100% européenne. Ouais, oui. On s'en rapproche, c'est loin d'être fait, mais Liquid est à 2 doigts de battre Genji. Et après, attention quand même, parce que il pourrait y avoir une surprise dans chaque demi-finale. Imagine l'affiche que personne n'attend, ce serait horrible. J'aimerais pas ça. Mais Liquid, bon, c'est cool pour Liquid, mais face à Miracle aussi. Donc...
choisi. Oh, aïe 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 aïe. Liquid. Ils sont capables de viking là-dessus, hein, ces mecs. Hein. Non, mais vraiment. Braxis de récupérer. C'est la première fois qu'on va voir la map StarCraft sortie sur ces championnats du monde. Elle est toujours ban par Genji Esports. Aïe aïe aïe. Oh, ça alors là, horrible. Mais Liquid, ils sont forts sur ce genre de truc. Hein. Ah oui, sur ce ils genre sont de très map, forts hein, quand ils prennent des maps qui sont pas forcément très jouées. Ils sont très forts, ils peuvent avoir des drafts imprévisibles. Après, et là, attention. Noblesse, je peux te dire qu'il a un travail énorme à faire ici. Après, attention, Genji n'est pas non plus ridicule sur cette carte, on les a vus. Parce qu'en Corée, par exemple, les autres équipes parfois essayent d'aller chercher sur Braxis et c'est pas, ça passe pas hein, normalement. Blaze it, non, exactement. Non, mais mettez les pancartes vikings. Non, mais Blaze it, il faut cramer cette série, ils ont raison. En tout cas, on van Kerrigan et Garrosh côté Generation Gaming. Côté européen, on sort Maiev et Genji. First pick Anubarak pour les Coréens. Ouais, Anub, the first pick. C'est vrai qu'il est très rapide hein, cet Anub. Hein. Ouais. Généralement, c'est pas aussi vite, sachant qu'il y a encore Tyrande d'open. Oh, ne veut pas Tyrande. Tyrell, il fait tellement mal dans cette compétition pour l'instant. Ouais, c'est le retour en force avec Arthas. Hein. Arthas qui est plus gérable, je pense. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Tyrell. Il fait trop mal à l'heure actuelle. On a vu tout à l'heure TST dessus, il est excellent. Là, Sport Billy qui a mis des sentiers en fin de game qu'on fait la différence. Notez ça, ses paroles. Non, mais. Alors, mais. Il y a plusieurs joueurs dans une équipe. Bien sûr, tu as raison. Oh, oh là là là. Malte et les Phoenix. Alors. Côté Generation Gaming. Bon, où sont les. Peut-être pas Viking, mais il y a peut-être quelque chose d'autre de prévu ici. Samour, la meurtre. Attention, la meurtre aussi. Ah, ouais, qui Hammer, pourrait ah bah voilà, voilà, les bans par Liquid, ils ont raison. Parce que ça a été une des réponses d'ailleurs sur Braxis parfois. Je la voyais peut-être plus côté Liquid tu vois, sur cette partie. Ouais, ouais, mais non, mais c'est bien qu'il a pas. Parce que t'as de la speed côté Liquid, mine de rien, qui peut faire très mal. Avec Tyrell, on l'a vu tout à l'heure, Hammer Tyrell, très très fort. Il y a du monde, hein. Il y a du monde pour ce match. Forcément, forcément. Alors, quel va être le ban côté Generation Gaming? Quel va être le ban des Coréens? Et vous ne rêvez pas, hein, deux partout entre Genji et Liquid. Et ce sera oh. un ban Tracer, on en a peur. C'est vrai. Sur cette carte, elle peut. Puis Arcaner, il la joue énormément. Elle peut mettre beaucoup de pression, cette Tracer. J'espère qu'Arcaner va pas craquer aussi hein, sous la pression parce qu'il a beaucoup de pression sur les épaules. Il a des picks très playmaker. Et quand tu te rates, ça se retourne directement contre toi. Alors, côté Liquid, le double pick. Pour les Européens, on a déjà les mêlées. Ok, ça c'est chacal des cartes. Ça peut être une composition macro. Hein. T'as le support de récupérer, t'es très flexible encore sur le draft Liquid, tu peux faire des choses intéressantes. Ils ont l'aspic, hein. Ils oui. ont l'aspic de toute cette fois-ci, on a pris le support, comme ça, on, de ce côté-là aussi, on peut pas. On a toujours cette flexibilité en fait, on peut pas trop se faire surprendre par Genji. On a laissé Tyrande, c'est impressionnant, Tyrande, ni pick ni ban pour le moment, et elle ne sortira ah, pas. À la rack encore Karazim à la rack pour les Genji, on veut clairement outplay là, son adversaire. Et là, t'as l'extrême anxiety aussi, hein. Ouais, t'as un combo sûr. Énorme, hein. T'as le pool, le silence avec le 7 strike et extrême action qui font très très mal. La jolie petite Tyrande, mais elle sortira pas là, Tyrande. Hein. Je vois pas un last pick Tyrande hein, pour Liquid. Non, il y aura pas de Tyrande. Elle sortira pas un ni pick ni ban dans ce BO. Alors, last pick, est-ce qu'il y a une surprise pour les Liquid? C'est le moment. C'est le moment, Malga. Oh, oh mais triple tank. triple tank. Arcaner, hey, oh, Arcaner il est trop sur DAK. Fort, mais oui, c'est DAK. Vrai qu'il est bon sur DAK. Il est trop fort sur DAK. Avec l'ancienne compo Liquid, je l'étais. Le joueur de. Ouais. Ça va être ça, hein. Il va être sur DAK, je pense. Ah, c'est sûr, il est super fort sur DAK. C'est le meilleur mêlée, c'est son meilleur. Et attention, mêlée. Un global sur Braxis, c'est aussi très puissant, Malga. Très très puissant, les points évidemment, c'est très important. Les camps, la prise de camp, les rotations, ça bouge beaucoup, Braxis, mine de rien maintenant. Et là, t'as deux solo laners. Irel, ouais. DAK, donc en termes de composition, il peut y avoir plein de choses. Après, d'habitude, c'était souvent Method qui faisait ce genre de possibilités, à savoir. Des solo laners, un solo laner de chaque côté et on gankait à 3. Là, il n'y a pas une compo gank par contre, je trouve. Le triple mêlée, ce qui est bien aussi, c'est que ça va peut-être atténuer le combo 7 frappes. Voilà. Les 7 strikes peuvent être tankés potentiellement. Et parce que plus il y a de monde dans les 7 frappes, c'est ça. Les 7 frappes vont se diluer un petit peu sur tout le monde et du coup avoir moins d'impact. C'est un peu le réflexe étrange, mais quand vous voyez des 7 frappes de Karazim, il faut limite rentrer dedans. Bon, faut pas le faire tout seul, mais il faut rentrer dedans. Si toute l'équipe rentre, au final, tu dilues les dégâts. Cette fois-ci, t'as le Tyrell aussi pour protéger un petit peu de ce combo. T'as la sortie qui peut contre-attaquer aussi, mine de rien. T'as un triple mêlée, donc tu rentres facilement dedans aussi pour contrer la Larac. Mine de rien, la Larac contre triple mêlée, attention. Hein. S'il fait un combo et que ça marche pas, ça se retourne contre lui. Donc après, ça va pas être si facile que ça, honnêtement. Cette map, ça bouge beaucoup. T'as beaucoup d'agressivité côté Genji. On a une compo très agressive. Donc là, à mon avis, Liquid, ils doivent être
excellents sur cette game s'ils veulent justement faire tomber les Coréens. J'ai envie d'y croire pour Liquid. Après, on a ce qui me fait peur. On va jouer macro, je pense, côté Liquid. Et c'est vrai que côté macro, Generation Gaming, bon, on a un Karazim pour faire les camps relativement vite. Par contre, c'est l'agression. Alors, l'agressivité de Genji va être impressionnante. Et t'as pas de purif, l'agressivité, parce que t'as un décap Kayn. Et il y a un autre point aussi qui pourrait m'inquiéter, c'est quand même Azuops, il va jouer Junkrat et on l'a pas vu tant que ça dessus. C'est un point, tu vois, une question. Je me demande c'est si c'est pas un chacal playmaker, c'est un chacal. Ouais, plus mais macro. Bon, faut mettre des très belles pneumatiques en tout cas. C'est parti, Malga, pour cette dernière partie sur cette première demi-finale entre Genji et Team Liquid. Et côté Genji, on aura TST sur Anubarak, Sake sur Karazim, Kyocha sur Maltel, Reset sur Phoenix et enfin Rich sur son Alarak. Et on voyait un 3-0 de Genji emballé, c'est pesé pas du tout de partout. Et on va retrouver les Liquid à droite avec Sport Billy sur Tyrael, Eternal sur la IRL. Oh, Arcaneur sur son DAK avec le Tracker au niveau 1, Tracker de la jungle, pas de régénération. Azuops sur Chacal évidemment. Et enfin, eh bien ce sera Nurok sur son Descart Kayn. Mais du bruit pour Liquid, on veut vous entendre évidemment, même si on ne peut pas, mais du coup, les Liquid, je le rappelle, hein, le hashtag TL évidemment, soutenez Team Liquid. Tyrael 100% winrate dans cette série. On le disait, hein, qu'il était impactant, on le disait. Et on le voit. Allez, en tout cas, pour le moment, on attaque à 4 au niveau de la répartition TR. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. On est en 4-1 du côté de Genji alors qu'on est en 3-2 côté Liquid. Junkrat est bonne et ça, c'est pas bon pour les Liquid. On va essayer de. Oh, défendre. Le coup de l'oreille d'Arcaneur. On va sécuriser le kill sur Reset. Oh, il est pas bien. Tiens, premier sort instantanément et c'est pas terminé. Anub. TST qui se retrouve bloqué. TST. Oh, c'est bon ça. On part sur les chapeaux de roue dans cette série. Et j'allais dire justement, Junkrat était pas top, c'était pas forcément fou, mais c'est vrai qu'Arcaneur. Eh ben, il peut décaler. Voilà, il peut décaler. En global, c'est fort hein, sur Braxis. Hein. Ah, mais surtout qu'il est excellent dessus. Hein. Il est vraiment, vraiment très, très fort sur DAK. Je me rappelle quand il jouait mêlée parce qu'il y avait tellement un contraste entre ses pics. Son DAK était tellement au-dessus de ses autres pics. Et là, c'est vrai, ça commence très, très fort. Mais surtout que Genji en plus, enfin TST avait pile, il avait protégé avec son Anub pour charge. Du coup il l'avait plus. Et on va même aller sans Vayne, mais ici quelle agressivité de Liquid, attention. Et Arcaneur, c'est juste, on veut retarder je pense parce qu'on a DAK qui fait aussi camp en même temps. On peut-être voudrait pas Ouais la mine. On a la mine. Oh oui, juste après la sortie, c'est bien joué. Ils vont récupérer l'Oizy. Et il y a Arcaneur qui tout de suite décale au cas où. Et là, Kyocha, il est tout seul. Il y a papa des cartes. Mousse niveau 1. C'est ça. Après, il y a le slow. Alors, on va devoir reculer. Mais c'est déjà très bien. Double easy de récupérer. Ils sont incroyables, les Liquid. Et là, ils sont portés. Et maintenant, t'as le public. Et t'as le public, t'as le momentum. Genji dos au mur, alors qu'ils sont censés dominer ce BO de la tête et des épaules. Et Braxis. Ça aussi. Et Braxis, bien sûr. C'est vraiment la map qui peut vraiment faire gagner Liquid ici. Bah, ils sont fromagés la tronche là. Regarde top déjà. La pression sur le wall. On a les deux points côté Liquid. Après n'oublions pas, hein, Braxis, on la voit très peu maintenant sur la scène pro, très souvent enlevée. Pour contester les points c'est très compliqué hein, parce que là les ergs on va pas les trouver tout de suite normalement. On devrait les avoir dans très longtemps. Parce qu'il y avait des reworks hein, qui avaient été enclenchés pour Braxis. Du coup c'est vrai qu'on a... Ça, oh le coup de langue qui avait été mis. Bah, pas mal Arcaneur. Mettre un coup de langue sur Rich, hein. Encore une fois, hein, c'est... Il finira peut-être par être MVP hein, finalement. Ouais bien sûr, Arcaneur. Bah on l'avait mis sur Tracer de toute façon. Ouais, on l'avait mis sur Tracer. Attention par contre. Ouais, Kyocha qui va bien. Ah, Kyocha qui est pas isolé. Allez, le kill sur Kyocha. Kyocha qui tient. Eh non, Eternal. Reset. Oh, il est cancel. Reset qui tombe. Ah, Liquid. Et Junkrat qui défend la bot lane en même temps. Du coup, on peut pas mettre de pression bot non plus. Ils nous font rêver. C'est pas fini. Mais qu'est-ce que c'est beau ce départ sur cette cinquième et ultime game de ce BO. Et c'est que la première demi, le meilleur représentant coréen, européen, pardon, c'est pas Liquid. Liquid limite à la fin, on se disait sur la saison régulière, c'est le top 4 U. C'est même pas un top 3. C'est top 4 Fnatic qui était meilleur.
Et là c'est vrai qu'on le rappelle, hein, ils avaient perdu Leftovers 1-3 et Fnatic 0-3. Et là, ils sont à deux doigts d'être en finale de la BlizzCon. Ils sont pas là par hasard quand même, les Liquid. Ils sont pas là par hasard et ça fait plaisir de voir cette équipe. On se rappelle ces reportages absolument superbes. On voyait Asiops qui chialait et qui disait « Oh là, j'ai jamais avec Warcraft 3, avec Starcraft, je suis le joueur le plus vieux limite en activité sur la scène Heroes. J'ai jamais été à la BlizzCon. » Et il y va pour aller exploser les triples champions du monde anti, triple champion de Corée et champion d'Asie. C'est impressionnant ce que fait Liquid. Quelle que soit l'issue de ce BO, c'est juste fantastique. On l'oubliera jamais ce BO, quel que soit le score final. Allez, en tout cas, un demi-level d'avance pour les Européens. Ils sont complètement en train d'écrire l'histoire. C'est extraordinaire. Encore une fois en plus, l'Europe a tellement eu du mal ce week-end, il y a eu beaucoup de compétitions comme Overwatch. Encore une fois, la Grande-Bretagne aussi qui a été sortie sur l'Overwatch, la World Cup. Et la France hier contre le Canada, donc l'Europe souffre sur ces championnats du monde. Et au final, sur Heroes, on est sur le toit du monde pour le moment, même si ce n'est pas fini. Au niveau 7 qui est arrivé, Liquid qui va refaire un petit peu la même que tout à l'heure on dirait. Et mettre la pression psychologique, oh, attention le DAK. Il est là, il n'y a pas la mine d'Azu, par contre il a été zoné cette fois-ci. Et la mine elle est là, et on va de nouveau récupérer le Easy, attention Reset. Attention par contre, attention. Oh, Azu qui est mal, il n'a pas de mine. Ah, mais ça tient, il y a Sport Billy qui est encore là. C'est le feu, là on le sent le momentum, attention Sport Billy, voilà, le combo de Rich qui passe pas. Ah, Rich, attention Rich. Eh oui, on l'avait dit, Rich, il a la pression. Y'a les doigts qui tremblent. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Allez, en tout cas, on le rappelle, hein, Genji, triple champion du monde. Voilà, voilà. Bon, ça arrive. Le cœur. Justement, je disais triple champion du monde, voilà, forcément combo réussi. On le rappelle, hein, trois fois champion du monde d'affilée. D'affilée, parce que sinon c'est quatre fois, hein, c'est champion ça. Du monde. C'est pas n'importe qui. Et d'affilée, hein. Triple champion de Corée d'affilée, triple champion du monde d'affilée, sinon deux titres d'Eastern Clash, mais c'est pas d'affilée puisqu'ils ont gagné le premier Eastern Clash et le dernier jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, attention, Malta le top. Kyosha qui s'en sort, ça va aller. Son niveau 1 ici, hein. Très très fort, hein. Cette partie se fait très souvent gank. L'activable, hein. Le A-tombeau ouvert. Alors qu'on est qu'à 22% sur les airs, il y a 14% pour Liquid. Alors... Braxis est passé d'une map complètement early à maintenant très très late. Hein. C'est peut-être même la map la plus late maintenant. Alors je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres maps très late, hein, comme Dragon par exemple. Mais c'est vrai que... Oh, Arcanaur. Oh, jolie mine d'Azuops, très bonne protection. Ouais, c'est pas... Attention Kyosha, top, Kyosha, top. Kyosha, ouais, il y a Arcanaur qui arrive un petit peu tard pour mettre un coup de langue. Mais Eternal le bump peut-être. Reset. Il va le bump. Ah, il aura... oh, dommage, Eternal, dommage. Ah, il s'est servi du buisson, hein, pour justement pour cacher, avoir la vision, ouais, c'est ça. Et pouvoir se TP à temps. Sur Sport Billy quand même. Il tient le plus longtemps possible, essaye de contester. En attendant qu'Eternal revienne. Après, ils prennent des zergs. Hein. Ils prennent quand même des zergs. Azu qui a pris un mauvais combo là par contre. Ouais, Azu qui, contre Alarak, c'est dur. Tu peux les push, mais sur un combo, tu prends très très cher. Puis tu te fais poke, hein. En sustain, tu perds. Ouais. Hein. Tu te fais poke. C'est ça. Normalement, c'est Chacal qui est censé être fort en poke, mais. Et là, Alarak, encore des pourcents, hein, de zergs. Pour les Genji. Allez, en attendant, on essaye de tempo, mais voilà, on va pouvoir bloquer. Même Rich, attention, il y a la move speed, hein, du niveau 7 de Tyrael. Ça va aller. Alors, il suffit maintenant de rentrer sur la zone pour contester. Avant, il fallait reprendre le contrôle. Maintenant, il suffit qu'un joueur, voilà, Sport Billy va arriver, contester. Attention, la mine pour, sur Rich. L'enfouissement d'Arcanaur est excellent. Le combo, attention, deux personnes de Rich. Ça tient pour les joueurs de Liquid. Oh, dommage. Bien tenté ce coup de langue, mais il passe pas. On va perdre le contrôle. Ouais, on n'arrive pas à tenir, mais. Irel sur la top lane. Oh, Sport Billy. Sport Billy, la mine d'Azuops qui va lui protéger. Après, il y a un gank top. Il y a un gank top. Attention, Kyosha. Coup de langue qui est passé d'Arcanaur. Le coup de langue est passé. Kyosha qui va essayer de tempo. L'arrivée de TST. Eternal qui se fait cancel. Il est mort. Il est mort, Eternal. Il va essayer de tempo un maximum. Ça suffira pas. Mais par contre, la contre-attaque peut-être. TST. Non, il y a Reset. Il y a même Reach. Rich qui arrive, mais il est pas vu pour le moment. Sport Billy, le combo, et il va peut-être mourir. Le slip de Billy, le coup de langue pour intercepter Sake. Et Sport Billy qui s'en sort. Parfait coup de langue d'Arcanaur. Magnifique. Et en termes d'XP, on est à égalité du coup entre Genji et Liquid.
un seul kill pour les Genji. Un seul kill après, 76% de zerg quand même pour les Genji pour l'instant. Et ils vont commencer à gratter encore. On va devoir laisser les zergs hein, côté, côté Liquid. Après, le Mastic. Junkrat aussi, ça défend très très bien les zergs. Et les vagues de zerg n'ont pas été up hein, par rapport à... Non, ça a même été... Il y a eu même un up, hein, c'est sur la vague perdante. Ouais, la vague perdante est plus grosse qu'avant. Ce qui fait que tu peux pas forcément push à 5 avec les zergs. Tu te rappelles le Western Clash? La seule Braxis qu'on a vu. Il y a eu 16 minutes avant le premier pop de zerg. Ils sont arrivés, ils sont repartis aussi vite. Ils avaient même pas pris un T1, je m'en rappelle. Allez, voilà, le pneumastique justement. On casse tous les Hydra. Où sont les zergs? Je ne les vois pas. Pour le moment. Et voilà. Une tour de prise avec les zergs. J'aimerais bien demander justement savoir si le scaling se fait au moment où les balises pop ou si c'est au moment où les zergs sont récupérés. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est dès le début. Attention, Sparmi, attention, Sparmi, et cette frappe. Le slip qui a été mis. Engage. Ah, dommage. Diaka qui arrive. On claque beaucoup de choses là quand même du côté Liquid. Oh, superbe l'annihilation d'Arcaner. Et on va prendre le kill sur Phoenix. C'est parfait de la part des Liquid. Très bien joué, on peut les applaudir Arcaner, effectivement. Encore. Ah oui, là pour le moment il est homme du match. Son héros, il est, son DAK, il est juste incroyable pour l'instant. Et on a vu, il mettait de la pression bot avec la vague de Zerg. Il a tenu beaucoup de temps avec sa petite vague de Zerg. Faudrait voir ce qu'ils ont fait bot aussi d'ailleurs. Mais pas grand chose, parce que c'était deux je crois pour tenir pendant un petit bout de temps. Enfin je crois. Et en plus c'est un Maltel. Hein. C'est pas non plus facile hein, en 1v1, Maltel c'est très très fort. Alors en tout cas, on va encore une fois invade. On envahit la position des Genji. Il y a la mine, il y a des choses hein, pour gérer. Allez. Alors, un nouveau easy pour les Liquid. Et Sport Big qui repart tranquillement. Attention Rich, il y avait Arcaner dans le fourré. Attention Arcaner aussi. Hein. Ah c'est bien ce que Rich, il ramène le easy sous le fort pour le dépush plus facilement. C'est un des problèmes d'Alarak d'ailleurs le dépush. Ils envoient le camp très rapidement les Genji. Un peu une phase passive hein, des deux côtés pour l'instant. On se regarde beaucoup. Après les coups étaient agressifs puisqu'ils ont été invade, mais Genji a pas forcément voulu répondre dessus parce que ça fait plusieurs fois qu'ils se font bloquer. Là t'as pas l'objectif aussi encore, ce qui fait que ça ralentit un petit peu aussi le jeu. Bah, c'est le petit souci, en fait Braxis il y a eu des changements très intéressants. Le problème c'est qu'on a encore des réminiscences de l'ancienne Braxis, comme on l'a vu les Zergs, hein, qu'on servait à rien. On met 3 heures à les prendre pour qu'il n'ait pas tant d'impact que ça. En tout cas, le 13 qui arrive pour les deux équipes. Le boss reste très fort sur Braxis quand même, mais c'est très dur de faire. Il fait énormément de dégâts le boss de Braxis, ce qui fait que c'est quand même bien plus dur de forcer un boss. Par contre ce hard qui a mis de la pression hein. Le easy hard a mis de la pression, on a pris une tour et il y a l'autre qui est quasiment tombé. Après en haut on a pris beaucoup de vie sur le fort aussi. Ouais c'est vrai. Mais t'arrêtes de dire ça. Non, alors, et là Azuop a encore ses deux tours bot, ça c'est important aussi pour lui parce qu'il a du mal contre Alarak. Il peut pas, sans les tours, il peut pas bien s'exprimer contre Alarak. Avec les tours, il peut quand même bien dépush la botlane. Au passage, on n'a pas parlé des ultimes, mais c'est du grand classique de chaque côté. Il n'y a pas de truc qu'on n'attendait pas, les 7 frappes qui avaient été mises malgré hein, les... Alors, est-ce qu'on va partir Terre Sainte par contre, côté Sport Billy? Parce qu'on a vu que la gestion aussi des easy camp, des hard camp, etc. Ouais. Était intéressante. Donc, et, les boss, et le point aussi. Et le coin, effectivement. Sur Arcaner qui prend cher, sur Maltel. Arcaner. Sport Billy. Il va pouvoir esquiver, pas de problème pour Sport Billy. Seul barbelé hein, qu'on voit au sol. Une attention à Zou. Parce qu'il y a Alarak qui pourrait arriver derrière. Voilà, Alarak qui est déjà en train de bloquer la rotation potentiellement. Et là on prend beaucoup de pourcents de zerg. Terre Sainte. Enfin, attention à ça. Hein. Terre Sainte pour Sport Billy. Ouais, c'est fort hein, sur les points, hein, c'est très très fort. Fort hein. Aussi. Voilà. Bon après il l'a pas mise parfaitement. Après il aurait pu prendre cher. Attention, il est arrivé de DAK, Ouais, voilà. Il va mettre le châtiment pour avoir la mousse speed améliorée. Ah, il a eu le temps de mount. Il a eu le temps de mount TST. C'est ça, c'est pas jamais d'erreur. C'était pas assez, assez connecté, ouais. Ils ont eu le temps de s'extraire cette fois-ci. Mais jamais d'erreur TST. Monture instant, comme ça il risque rien. Ce joueur est. Je crois que c'est. En termes de régularité, TST, il est impressionnant. Parce que c'est pas et de diversité de. De tank. De rôle. De pique. De style de jeu. Ah oui, de style de jeu. Il est capable d'être très agressif comme très défensif, c'est vrai. Et il a un pool de héros aussi de niche parce qu'on pourrait se dire c'est un joueur voilà, qui va jouer juste des tanks méta. Non, c'est lui qui a ramené Arthas au goût du jour. C'est lui qui a ramené Tyrael aussi. Non, non, clairement. Ou peut-être noblesse. Hein. Ouais, peut-être noblesse aussi parce que je pas que c'est un tank à 100 Billy, elle esquive, les 7 frappes qui sont complètement ratées.
Attention quand même. Ah, l'extrême onction, la 5, c'est superbe. Pour pas prendre l'extrême onction. Oh, l'abdomastique qui a fermé le slip de Nurok sur 4 personnes. Tiesti. Le coup de langue. Oh, le concours de Tiesti. Juste avant le coup de langue. Mais ça reste un kill pour les joueurs de Liquid. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien ce que fait Liquid. Après, il faut plus. Faut plus. Un boss. Important. Un boss. C'est bien ça. 5v4. Attention, parce qu'il peut avoir des ergs aussi derrière. C'est un boss qui fait beaucoup de dégâts, on en a parlé tout à l'heure. Après, il y a une terre sainte. C'est vrai. C'est vrai, il y a la terre sainte. Il n'y a plus trop d'ultime en dehors de l'ardent. Oh, Arcaneur qui est bien, hein. Il esquive le combo. La terre sainte, il faut pas la louper. Quand t'es Smart Bid, il faut pas la louper. La terre sainte, Thomas Kebri, c'est bien. Saké qui est hors de position. Saké hors de position, du coup, le coup de langue. Qui a été mis, Eternal qui saute très haut. Saké. Oh, Saké, mais c'est pas fini. Ça donne des opportunités. Eternal, Saké qui tombe. Est-ce qu'on pourrait chercher Kyosha? Kyosha qui a plus de move speed. Non, on va pas y aller, on va pas y aller, il y a un boss, il y a les ergs à récupérer, Liquid. Valga, il y a deux ans, rappelle-toi de la demi-finale Fnatic MVP Black, la dernière map, il me semble que c'était Braxis, la victoire de Fnatic qui avait justement battu MVP Black. C'est vrai. Et on est sur le même scénario. Et il y a deux ans, c'était l'été par contre, c'était le Summer Split, pas le Fall Split, il y a deux ans, Nurok et Azios faisaient partie de l'aventure Main Sanity contre MVP Black et... On se disait ils sont intouchables et finalement ils les avaient quand même inquiétés. Et Fnatic n'était pas le site 1 européen non et plus. Oui. Hein. Et ils avaient... Bon après ils avaient perdu en finale. Oui. Et c'était l'autre de côté, l'équipe coréenne avait été championne du monde. Donc calmons-nous sur ces deux ans, on va éviter de trop en reparler. Parce que là c'est miracle champion du monde si tu nous dis ça, donc calme-toi. Non, juste pour cette demi. Ouais, juste pour cette demi, voilà, on s'arrête après. Bon, le boss qui va pas faire grand chose hein. Finalement on aura pris le T1. On aura pris ce T1. Mais c'est bien, ils vont quand même prendre le contrôle de la carte, le 16. Après, il y a un trap bot, hein. Ils sont deux bots. Et il y a le hard qui est pris aussi pour Liquid. Ouais, on joue pas tant les ergs que ça. C'est... En même temps, c'est vrai que ces ergs. Bah, c'est de la merde. Assez... on va être cash. Hein, Mais en fait, c'est juste que même si tu laisses les ergs à l'adversaire, toi, t'as une vague aussi, mine de rien. T'as une vague et du coup, bah. Attention, le combo. Combo. Tarnol. Chop Tiesti. Tiesti qui a eu le temps de faire la charge enfouie. Coup de langue d'Arcaneur qui est tenté avec la macro glossy, ça passera pas. Ouais, et lui, ça, de récupérer. On prend le camp, on capture un petit peu de Zerg, je pense. Pas beaucoup, mais ça va être quelques pourcents. Et puis ils vont pour forcer bot. Ils vont forcer bot tout simplement. Regarde Azu. Il a pas peur. Il a pas peur, Azu. Mais il a raison. La mine devant Alarak. Bah alors, tu vas faire quoi là? Tu trembles un petit peu. Oh, Tiesti. Oh, le mur est trop grand. Le mur est trop grand. Tiesti qui va se faire bloquer. Le coup de langue. Oh, la pression. Ah oui. Oh, Tiesti. Oh, l'erreur de Tiesti. Mais c'est juste on réaliste. En voit jamais des erreurs de Tiesti. Ah oui, on le disait. Jamais. Mais c'est réaliste. Il peut pas aller sous le sol, il y a le vide intersidéral. Ah bah il y a le vide spatial, il peut pas aller sous le sol. Ah, superbe. Si même Tiesti commence à faire des erreurs, on a les mains tremblantes côté coréen. On a les mains tremblantes. On l'avait dit, les équipes asiatiques ont plus de mal quand il y a un public qui fait du bruit. Là, c'est un public clairement favorable aux Européens, le slip. Oh, l'absorption, justement. C'est cher payé, mais ouais, bon, le c'est slip pas grave. Cher. Ces deux ultimes. On va gratter quelques pourcents. C'est pas énorme, mais bon. On a le contrôle de la carte côté Liquid. Après, c'est en 5v4 aussi, hein. C'est ça le petit. Le 16 d'Irel, hein, très très fort aussi contre la composition de Jeldi. La marque hein, qui va être facile à placer sur Alarak. Plus les dégâts en pourcentage PV hein, sur les autos. Oui, c'est vrai. Enfin, sur le Z. Sur le Z. Non. Sur les autos. Ah bon? Oui, sur les autos. C'est l'armure, la vulnérabilité est mise sur le Z. Les autos, c'est trop fort. Bah, c'est un peu fort, oui. C'est un peu fort. Un petit peu fort. Et du coup, côté Liquid. Bon, après, elle a une vitesse d'attaque dégueulasse, hein, IRL. Hein, Ouais, mais bon, ça détruit quand même la frontline. Et à l'arrière, il y a quand même pas mal de PV, je pense. Hein. Mais de toute façon, elle a des super talents, c'est IRL. Parce qu'il y a l'auto de zone aussi qui est très forte. Et même l'autre hein, qui réduit le temps de recharge du dé, c'est fort. Hein. N'oublions pas qu'il avait eu un up de base. Parce que chaque oh là compétence réduit le temps de recharge. Regarde la carte, regarde la carte, elle est toute rouge, Malga. Comme Genji. Ils sont tout rouges, les Genji là. Allez, en tout cas, on se bat toujours pour les ergs. Attention, Smart Billy, il y a l'arrivée d'Arcaneur qui va zoner très haut. Tiesti, attention. Maintenant, chaque E de Tiesti, le mec il. Reset, il cherche plus à comprendre. Hein. Il s'en va direct. Attention sur la rota. Surtout que Reset a ça plus va. De E. Hein. Le CD du E de. Le Phoenix est assez long. Très long, c'est donc 16 secondes, voire 18. Non, c'est 16. Je crois que c'est, un... ah bon, c'est 16. Je crois que c'est 16 ou 18. Oh, bien tenté le blind cool lang. Reset a failli mettre son nez dans le buisson. Alors, est-ce qu'un dragon de Protoss a un nez? Parce que c'est vrai que. Des capteurs peut-être. Non, mais... un nez virtuel, bien sûr.
Ils n'oublions pas que le dragoon de Phoenix. Il l'a senti. Bah si, parce qu'il a senti le trap. Ouais, bah c'est ses capteurs qui lui ont indiqué, tu vois, genre. Attention, puissant. Bon, le boss est de retour, malgré. On n'a pas eu de Zerg depuis le retour du boss. Et au passage, n'oublions pas Phoenix qui est un héros Protoss dans un aquarium au final. C'est ça le dragoon. Et 8-1 pour Liquid en termes de kill aussi. Hein. 8-1. 8-1. Et ça rotate côté de Genji. On veut dive, on pourrait potentiellement. Mais c'est bien, regarde le positionnement de Nurok. Ah, il le sait, il le sait. Oh là là, c'est bien, c'est malin. Nous on a la vision, mais pas eux. C'est pas Billy, l'arrivée, ouais, reset, attention, reset. Attention, reset. Le coup de l'an qui touchera pas. Heureusement, attention ce combo, les 7 frappes de mise. Oh, bien joué. Bien joué de la part des Genji. Attention le cocon, on ne perd personne. La contre-attaque de Rich. Rich qui prend très cher. Eternal. Il y a le 13 des cards. CP cancel. Ah, dommage, dommage, dommage. On a pas pris des sports Billy à temps. Pas grand chose, hein. Il a failli s'en sortir encore, Sport Billy ici. Est-ce coup de langue d'Arcaneur, dommage, parce qu'il y avait vraiment. Il était complètement sous le mur. Oh, par contre, même en 5v4, ça peut être dangereux côté Genji. Ouais, mais. Ah, mais il n'y a pas Sport Billy, ouais, Sport Billy est mort. Sport Billy est mort. Ouais, il n'y a pas de Terre Sainte. Après, un coup de langue, il va laisser de one-shot ouais, quelqu'un. C'est trop tard, je pense. C'est déjà trop tard. On va prendre des Zergs un petit peu, on va stopper les Zergs au moins. Il y a quand même 62% de Zergs hein, pour Liquid, donc. Ça pourrait temporiser, on va dire, empêcher justement Genji d'aller trop loin avec ce boss plus les Zergs. Parce que là, boss plus Zergs, malgré hein, ça fait une énorme bague quand même. Allez, ah, 100%, et le boss, pas ouais, le 20, en plus, ils peuvent aller très très loin. Ils peuvent aller très très. Genji, il leur suffit de ce genre de choses pour finir une game. Ah, cette ils vont, ils vont tous bot, hein. Ils veulent vraiment. Ouais. Ils veulent all-in. Ils veulent gagner là-dessus. Ils veulent gagner là-dessus. Ils veulent finir là-dessus. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que. Depuis tout à l'heure, ils se font bouffer. C'est le seul moment favorable de Genji. Ils veulent vraiment mettre. Alors, ils mettent évidemment tous les œufs dans le même panier. Mais ils veulent finir là-dessus. Hein. Ils veulent finir là-dessus. Arcaneur a dû reculer. Ouais, la plus basique qui va être ici. On va essayer de la one-shot. On va essayer de la one-shot. Voilà l'explosion. C'est pas mal. La terre sainte de mise. Attention, la sanctification. On a eu peur. On a eu peur. Elle a été mise peut-être un petit peu tôt. Il reste beaucoup de Zerg. Hein. Il reste beaucoup de Zerg. Attention, l'extrême option. Il a le temps d'enfouir. Superbe. Superbe Arcaneur qui s'enfouit. Sport Billy, ça va aller. Oh non, le double arc électrique du CS qui fait le mal. Oh non, les Liquid qui perdent deux personnes. Et Rich qui va sécuriser le kill. Genji qui ira en finale. Ils auront saigné dans ce BO. Une erreur de Liquid. Une erreur de Liquid dans ce BO qui aura été payé cash. Mais clairement, pour Dignitas, c'est une belle vision parce qu'ils en ont chié, les Genji. Ça a été dur, ça a été dur, mais quelle série entre Generation Gaming et Liquid. Et grand bravo aux Européens, malgré cette défaite. Grand bravo, Liquid. Hein. Ils étaient vraiment à deux doigts de battre ces Genji. Mais bon, ils peuvent souffler, ces Genji. Ils peuvent souffler, par contre, je pense que pendant cette finale, ça va être très dur. Quoi qu'il arrive, Genji. Ça va être très dur, que ce soit Miracle ou Dignitas, ils ont clairement saigné. Ils ont clairement saigné, ça a été très très dur. Alors regarde, on voit Rich hein, qui est... il peut souffler. C'est... Et on peut avoir des regrets côté Liquid. Hein. Un moment de flottement qui s'est retourné contre eux alors qu'ils avaient le contrôle de la carte. Mais très bien joué ensuite, on sait que Tyrell n'est plus là, boss, plus les Zergs. Là les Zergs étaient dans une situation plus late game, après le 16 hein, forcément on rentre dans une ère de late game. Et c'est vrai que les Zergs plus le boss, ils ont all-in là-dessus et ils avaient raison. Dommage, dommage pour Liquid, cette mort sur Sport Billy, sur ce Tyrell aura coûté très cher. Le seul moment en fait où Genji a réussi, tu le disais juste avant que ça arrive, 8-1. C'est Reset qui va répondre à l'interview. Non. Comment te sens-tu justement après ce match? Liquid도 충분히 잘하는 팀이라서 이 정도까지 할 것 같아서 ils ont littéralement sué. En même temps, cette série était très très chaude. 좋은 경기를 만들 수 있지 않을까 싶어요. We respect Team Liquid's abilities and their capabilities to be a great team. Leur capacité so justement à être une excellente équipe. To go to game 5.
And we believe that on s'attendait à aller peut-être jusqu'à la game 5 justement. For preparing against our team Dignitas in the grand finals. Awesome. Now that's great. Alors, love to hear the confidence. Talk to me a little bit about the final ça va justement match nous aider à se préparer pour la ça nous a aidé justement there. À se préparer pour was la finale contre Dig. By you guys? Were you expecting to play on Braxis? What was your team's response when you saw that pulled out? And obviously a very close Est-ce que vous avez été justement match. Surpris par ce choix à Braxis et comment vous êtes-vous justement adapté hein, pour jouer justement Braxis contre Liquid? 이제 그 맵이 선택됐을 때 이제 어떤 팀 전체적으로 분위기가 어땠는지랑 그리고 이제 경기 내에서도 상당히 이렇게 치고받고하는 접전 끝에 이기게 되는데 그거에 대한 이제 경기 총평 한마디 부탁드리겠습니다. 사실 브락시스는 이게 서로 연습이 안 된 상태에서 저쪽에서 이제 그냥 강수를 둔 것 같아요. 그래서 저희는 그냥 서로 모르는 상태에서 하면은 괜찮다고 생각하고 이제 초반만 버티면은 이제 후반 가서 괜찮다 했는데 초반에 좀 많이 흔들려서 그 점에서 좀 아쉽고 다음에 다시 하면은 초반에 더 안 흔들리고 좀 더 단단하게 할 수 있을 것 같아요. So I think neither of us were prepared to play at Braxis. Then once we hit late game, we had the confidence to win it out. Si on arrivait au late game, on était assez confiants. On pensait pouvoir gagner avec le late game. Focused and just survive the early game. Le but, voilà, c'était de rester concentré, de survivre justement jusqu'au late game. Disappointed in that regards. On était assez déçus comme notre early game qui n'a pas été terrible. Mais on a justement réussi à faire durer la partie suffisamment longtemps pour sécuriser la victoire. Et en plus de ça, voilà, ça nous a aidé à nous préparer potentiellement sur la prochaine série si jamais il y a Braxis de récupérer par Dignitas ou Miracle. Après, là, il y a le message un peu en mode non, c'est bon, on sera prêt pour Braxis. Ouais, c'est ça. C'est de la désinformation, de la propagande. Comment vous sentez-vous justement avant de rentrer justement dans cette grande finale après un match aussi stressant? Clairement très stressant. Qu'allez-vous faire peut-être aussi il a dit, qu'allez-vous faire pour vous préparer pendant ce temps précieux justement avant la grande finale? Exactement. 그 전체적으로 팀 분위기라든지 tellement triste pour Liquid quand même. 어떤 tellement. 상대를 더 선호하는지 en vrai en plus ils peuvent partir en mode c'est bon on a fait un truc que personne ne pouvait faire presque en dehors de Dignitas, on s'attendait pas vers ça mais tellement triste même la dernière game ils étaient mais c'est il y a pas de regret. Ils ont fait mais en vrai ils peuvent avoir des regrets, c'est le pire. Pas de regrets parce que oui, on les attendait pas là. Mais des petits regrets. Parce que si Sportbill ne meurt pas top, ils sont bien. On pense justement que les deux équipes de la demi-finale peuvent atteindre la finale. Durant cette série, justement, on a beaucoup appris et on devient de plus en plus fort avec les matchs. Has prepared us, even better to, going into cette the demi-finale finals, nous a justement préparé, we can, showcase très much, bien préparé justement pour cette grande finale. In the awesome. I love the confidence. It's so good. Lastly, this is a big moment. Your last time we're going to get to hear from you guys before you're on the grand final stage. Is there anything you'd like to say to the audience, your family, your friends, sponsors, anything? I would love to hear your thoughts. Voilà. Les remerciements, bien sûr. 결승 끝나기 직전에 이제 마지막 인터뷰인데 après, 이제 뭐 팬들이라든지 가족이라든지 친구분들께 한마디 voilà, il demande pour les remerciements qui n'hésite pas à remercier ta famille, ton soutien, bien sûr. Tes supporters, même si le public était... Il y a deux supporters de Genji, merci à eux. Parce que... 지금 중결승에서 이 두 판 맞아봤기 때문에 결승전은 이제 저희가 좀 더 많이 유리할 것 같아요. 그래서 결승까지 응원 부탁드립니다. C'est vrai que ça fait un petit peu le vainqueur en sort renforcé. I would like to show my deepest gratitude to all the fans of Genji. And because we got kind of punched twice in our faces in this semi-finals. Voilà, on a pris deux coups, deux coups dans la tête justement dans cette demi. Much better gameplay. So we will repay all the incessant support by showing a solid games throughout the grand finals. So thank you. All right. Well, good luck on those grand finals, Reset. Thank you so much and congratulations once again. We're done from the stage.